s'échapper de l'atelier. Oh mon dieu! Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve sur Benji and the Ink Machine. Vous êtes nombreux à me l'avoir demandé et je vous le fais enfin. Donc avant de commencer le jeu, très important, je compte sur vous. J'espère que vous serez présents pour regarder ce let's play et pour qu'on le fasse tous ensemble. Et surtout je compte sur vous pour pas me spoiler, parce que j'en ai vu pas mal qui me parlent de Benji dans les commentaires, qui me disent y'a ci, y'a ça. Je n'ai jamais fait le jeu, donc je vais le découvrir en même temps que vous verrez ce let's play. Vous connaissez sûrement le jeu, si vous voyez que je bloque, je veux bien que vous m'aidiez, mais sans me spoil s'il vous plaît. Jouer le jeu c'est très important, parce qu'il y a sûrement des personnes qui n'ont jamais joué au jeu comme moi et qui n'ont jamais vu de vidéo et qu'ils découvriront à travers cette série en même temps que moi, tout simplement. Maintenant, trêve de blabla et on commence enfin Benji. C'est parti. Nouvelle partie. Chapitre 1. Mouvement des images. Ok. All right, Joey. I'm here. Let's see if we can find what you wanted me to see. Bon, je vous laisserai lire, découvrir le secret de Joey, explorer l'atelier. En tout cas, c'est trop stylé, mode cartoon. Alors, on a l'excite, art département, machine à encre, théâtre. Donc, il y a pas mal de choses. Les rêves deviennent réalité. Alors, est-ce qu'elle est ouverte cette porte? Verrouillée. Qu'est-ce qu'on a ici? On a petit Benji. Donc, vraiment, les mecs, je découvre le jeu. D'accord, donc là c'est où il dessine. Ok, on va laisser ça pour l'instant. Est-ce que je peux entrer ici? Non, c'est verrouillé. Donc je vais aller de ce côté. Le démon danseur. Hey, here's my old desk. C'est mon vieux bureau, j'ai perdu beaucoup de temps sur ce fauteuil. Donc j'ai l'impression que c'est le dessinateur qui parle. Ici, il y aura peut-être quelque chose pour casser. Enfin, je pense. Je sais pas si je suis seul pour l'instant. Ah. J'ai l'impression d'entendre des bruits de pas. Attendez, qu'est-ce qu'on a ici? Donc pareil, c'est les endroits où font les dessins. C'est un nom spécial. En plus, si on appelle ça les planches ou... Vous me direz dans les commentaires de toute façon. Et je compte vraiment sur vous si vous voyez que je galère ou si vous voulez me dire des choses vraiment essentielles au jeu. Je suis à l'écoute, sans me spoil bien sûr. Ok, verrouillé là aussi. Ah, ça m'inquiète un peu quand même. Qu'est-ce que c'est que ça? De l'encre. Pourquoi il y a une fuite? Petite musique au fond. Eh, toutes les portes sont verrouillées! Attendez, est-ce que c'est un rideau de fer? Ouais. D'accord. Donc là, on a un calendrier. Un planning. Donc là, c'est les quantités. C'est en gallons, c'est pas en litres, vu que c'est les Américains. On peut sauter. Nice. Wow. This lift could use a few dry cells. D'accord. Donc, il y aura besoin de deux cellules d'énergie, deux piles. Là on en a une, et là on en a une autre. Ok, on va pouvoir commencer donc. Et là... En tout cas l'ambiance pour l'instant elle est stylée. Hein. J'aime beaucoup ça, mode cartoon, c'est pas vraiment en noir et blanc, c'est en jaune. D'accord, ça c'est la machine à encre je pense. Qu'est-ce qui va se passer à partir de là? Ok, localiser la centrale d'alimentation. Est-ce que je peux récupérer le lent? Là on a un engrenage, on peut pas le prendre. La centrale d'alimentation, est-ce que c'est pas marqué sur un des... Ah! Le rideau s'est ouvert. Cette porte aussi. Alors, je vais rester et ensuite je descendrai d'un étage. Ça a l'air très grand. Ah, la bacon soup. On a un enregistrement ici. At this point, I don't get what Joey's plan is for this company.
The animation sure aren't being finished on time anymore, and I simply don't see why we need this machine. It's noisy, messy, and who needs that much ink anyway? Also, get this. Shuri had each one of us donate something from our workstation. We put them on these little pedestals in the break room to help appease the gods, Shuri said. Keep things going. I think he's lost his mind, but hey, he writes the checks. But I tell you what, if one more of these pipes bursts, I'm out of here. Okay, Wally Franks, il critiquait un peu le plan de Joey. Bacon soup, est-ce que je dois le prendre maintenant ou... Je vais tout bouffer, je crois que c'est le but. C'est verrouillé. D'accord, on aura pas mal d'éléments d'histoire. Si vous voyez que je comprends pas trop bien, que j'ai du mal, ben, n'hésitez pas à m'aider dans les commentaires, c'est important. Mais ne me parlez pas en avance d'une chose que je n'ai pas vue. D'accord, là on a un petit théâtre. Pression d'encre. Je sais qu'on va revenir, c'est sûr. On va revenir ici, c'est sûr. Donc la pression d'encre, c'est ici. Donc pour l'instant, c'est très calme. Je redoute un screamer. Hein. Quand c'est trop calme comme ça, je suis pas bien, moi. Genre le panneau, il prend vie, je sais pas, moi. Déjà, est-ce que nous, on est bien... Wow. Ok. Il y a un Megazord là-bas, j'y vais pas. Machine à encre. Okay. D'accord, donc on a une petite énigme. Trouver, placer les objets. On a un livre, une clé, un engrenage. L'engrenage, je l'ai trouvé. De l'huile, de la musique et un petit TJ. Pression faible. Donc voilà. On va faire la pression ici, ensuite on retournera. Oh shit. Allez vous faire foutre. Putain. Putain, ça m'a fait un petit truc là, les gars. Oh my god. Joey, what were you doing? Qui rigole maintenant? C'est Cartoon Dog ça, les gars. Il me dit quelque chose celui-là. J'ai la clé. Déjà on a un truc. Oh mon dieu, mais c'est gigantesque là. Je vais me perdre. Est-ce qu'on peut prendre plusieurs objets en même temps? Ok, je suis perdu. Ah, il m'a fait peur celui qui a posé le panneau là. Donc, on va récupérer le maximum de choses. Peut-être qu'il y a des choses, je suis passé devant et vu que maintenant c'est un objectif, ça sera en surbrillance. Je vais revenir sur mes pas, il y aura peut-être des portes ouvertes. Ici, on n'a rien. Non. Ah, là on a la petite peluche. Ok. Petite peluche. En parlant de ça, vous aurez bientôt une surprise, vous verrez sur la chaîne. J'en dis pas plus. D'accord. Donc il y a pas mal d'objets à récolter. Je vais revenir sur mes pas. Ouais. On a de la musique. He will set us free, il va nous libérer. Oh merde, j'aurais pas dû faire ça. J'aurais peut-être pas dû faire ça. J'ai peut-être mis la musique, c'est ce qu'il fallait faire, non? Je sais pas. On verra. C'est inquiétant pour l'instant. Bonne soupe. Toujours verrouillé. Ça c'est le début. Ici c'est toujours verrouillé. Ouais. Est-ce qu'on va pas trouver quelque chose ici? Je vais bien vérifier que je ne loupe rien. Qu'est-ce qu'on a ici? Ok, j'ai entendu un petit bruit, ça me fait peur. Ok, là, on a de l'encre. Donc, on a pas mal d'objets. Où est mon inventaire? Il n'y a pas moyen de voir l'inventaire? Pas de screamer, s'il vous plaît. Joey Drew Studio. Donc, c'est le studio de Joey. Vous devez avoir un délire, vous êtes quelqu'un de maléfique. Vous allez faire un pacte avec le diable pour faire prendre vie à l'encre. On va descendre. D'autres choses ici. Qu'est-ce qu'on a là? What? Ah, je peux jouer aux fléchettes, j'ai eu peur, ça fait une animation. D'accord, c'est un peu de la triche, je trouve.
je bourre le maximum d'encre, je sais pas si ça sert. Ok, est-ce qu'il n'y a pas un bouquin? Il y avait un bouquin tout à l'heure, ça c'est quoi? Another day, another dollar. Could save your job. C'est peut-être un petit save auto. Enfin, save auto. J'ai un bouquin. Là, je commence à récupérer, je pense, plus de 50% des objets. Ok, là c'est bloqué. J'ai pas trop envie d'y aller non plus. Ok, je crois qu'on commence à avoir pas mal de choses. Hein. Donc il faut juste que je me repère maintenant. Là, est-ce qu'il n'y a pas un truc maintenant? Ah, l'engrenage, vous avez vu, je vous avais dit. Hein. C'est tout. Je crois que j'ai tout ce qu'il faut. Hein. Vous avez vu, il y a des objets, ben, ils sont devenus surbrillants seulement après que l'objectif ait été activé. C'est ça qui est traître. Donc faut que j'aille à l'endroit où le truc m'a surpris. Ici. Il a apparu là tout à l'heure, non? Ouais, il était apparu là. Donc là, j'ai tous les objets. Hop là. Hop là. Hop là. Hop là. Hop là. On est bon. Maintenant, je dois faire en sorte que l'encre coule. Il doit y avoir un levier quelque part ici. Pour pas me démarrer. Ok. Donc vous rappelez l'endroit où il y avait la pression? Ouais, ben c'est ça. C'est exactement ça. Là, je pense qu'on va se manger des screamers. Encore un petit truc qui va me faire une petite boule au ventre. Alors, je pense que c'était carrément de l'autre côté. je fais quoi, là? Qu'est-ce que je fais, moi? Je continue? Oh là là, ce jeu d'enfoiré. Oh, attendez, je reste ici. Est-ce que je dois rester ici? Putain, c'est inquiétant. Ok, on va remettre la pression. Mon dieu, c'est pas bon? Ça craint quoi ça? C'est bien ou c'est pas bien ça? Là j'arrive même pas à me repérer. Actionner la machine à encre, ok. Ils font peur avec leurs panneaux qui sortent, qu'il y a... Ah mais ils sont tous suspects. Je vais sauvegarder avant qu'il y ait quelque chose de maléfique. Allez, on sauvegarde. Always on time. Ouais, c'est bien de sauvegarder. Ok, c'était pas là, c'était juste pour save ici. Ça m'inquiète cet endroit. D'accord, donc. Ici on est allé, ça a rien. Je retourne, il y a toutes les petites. Tous les petits objets qu'on a posés. Je vais manger un truc qui va apparaître, hein, je le sens là, je suis pas bien. Ça là. Ah mais il va se réveiller lui je pense, Cartoon Dog. Machine à encre, prêt. Et ensuite. Vous êtes prêts? C'est parti. Ok. Ok. C'est bon hein. Et donc? J'attends, j'attends, il va me dire quelque chose. Non j'ai pas le choix en fait, je crois qu'il faut que j'avance. Qu'est-ce que je dois faire? Ils m'ont rien dit de plus là. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? My god, ce jeu, l'ambiance elle est stressante. Est-ce que je devrais pas venir ici? Ah mais c'est bloqué. Ah, what the fuck? Je me casse. Je dois aller où? S'échapper de l'atelier. Oh mon dieu. Putain. Oh putain. Oh putain. Exit. Exit. What? What the fuck? Ok, ça, ça brille. Trouver, tourner la valve. Elle était en face de moi. Oh mon dieu, c'est horrible ce qu'ils m'ont fait là. Thomas Connor. Ok, il dit que cette machine, il n'y a rien de naturel. Hein. Donc, de toute façon, les gars, on l'a vu, l'encre, elle a pris vie. Oh, le monstre. Est-ce que c'était Benji?
Ou est-ce que c'était autre chose? Oh. Bon, ça m'a fait peur, mais au moins c'était... Au moins c'est allé franco, hein. Parce que quand il y a des petits cartons qui sortent comme ça... Je sais pas pourquoi, ça me fait encore plus peur. Allez, comme dans Titanic. Enfin, ça n'a rien à voir, mais je me comprends. Quand il descend dans l'eau. Ok, des bougies. Oh, mais c'est creepy, Benji. Donc là aussi, je vais baisser ça pour pouvoir utiliser la porte. Ça va pas le faire. Allez. Yes. Ok. Dégager un nouveau chemin. Une hache peut s'avérer utile. Ok. Le créateur nous ment. Nous ment à tous. Je peux me défendre? Je peux me défendre. Ok, cool. On a la hache. Je me sens un peu plus en sécurité. Je me demande si on pourra revenir en haut. Il y avait plein de choses à casser. Je sais pas si elle fait mal cette hache en tout cas. Je l'espère. Oh non! Pas ça! Toujours des rituels sataniques! Non! On passe pas au centre. Ouais. What the fuck? Chapitre 2. La vieille chanson. Oh my head. What happened? Oh non, on s'est réveillé au milieu du cercle. Well, I guess there's only one thing to do. Press on. See if I can. Ok, je récupère ma hache. Casser ces rituels. Alors, une hache peut s'avérer utile, trouver une nouvelle sortie. Mais les gars, est-ce qu'on peut pas casser ça? Y'a pas des objets secrets ou quoi? Des easter eggs? Allez. Ok, on continue. Alors, qu'est-ce qui a marqué? Non, pas ça. Utilitaire 9 axes. Il va nous libérer. Mais est-ce que c'est... Il parle... Est-ce que c'est les créatures faites avec l'encre qui parlent ou pas? Et ouais, je pense, hein. How did this place get so big? C'est vrai que cet endroit, il est vraiment grand. Sammy Lawrence. Oh mon dieu, qu'est-ce qui tient? Oh non, ça parle de sacrifice. J'ai l'impression qu'il s'adresse à la créature qu'on a vue qui nous a poursuivis. J'aime beaucoup les cartons. Alors, attendez, on parle de sacrifice et... BIM! C'est ça le sacrifice! Faut tous les détruire, les Benji. What? Non, il est mochi. Mon dieu, je me casse. J'en ai marre de ce jeu mochi. Oh là là. Excuse me, can you help me? Non, 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 ne lui parle pas. Oh, il est complètement malade, le chip. Il a une tête de psychopathe. Je vais l'attaquer à coup de hache. Il n'y a pas de sneaky qui tienne là. Ah, si, en fait. Where the hell did he go? Hein? What? Les gars, ça par contre, dites-moi dans les commentaires, est-ce que je dois tout boire? C'est à quoi tout boire? Est-ce que c'était au cas où je me fais attaquer? Est-ce que j'ai bien fait? Allez, on va en laisser deux au cas où. Franchement. Meurs. On peut pas. Une autre alimentation de cette grille en quelque sorte. Trouver les leviers. Comme par hasard. Boîte d'alimentation. Parce qu'en retrait, il n'y en avait pas une. Je retourne en arrière, il y avait peut-être un truc pour alimenter. Que je me trompe. Non, je me trompe pas. J'avais raison. Donc, on en a ici. Ok.
vraiment de la grille. Donc c'est bon, on y retourne. Allez. Fait peur ce jeu. Attendez, ça a respiré là, j'ai peut-être pas cassé. Peut-être que si. It's really dark in here. Ok, la musique elle veut tout dire le mec. Est-ce qu'on va pas croiser Cartoon Dog? Sammy Lawrence. Ah mais ça, attendez. Je vous laisse le texte. Ok, là il critique vraiment tous la machine à encre. Lui il avait carrément dans son bureau un levier pour ben, redescendre l'encre, le niveau d'encre je crois. Escalier, on va attendre. On va rester sur cet étage pour l'instant. Ok. On va monter. Et ensuite on descendra. Okay, je le sens pas du tout ici, mec. Norman Polk. Critique monsieur Drew parce qu'il a l'air chelou en fait, il a des agissements assez bizarres. Est-ce que ça va m'allumer? Ça manque d'énergie. Non? Ok, ça se lance pas. Ok, je l'ai mis en marche mais ça manque d'énergie je pense. On va descendre l'escalier, on n'a pas trop le choix. Il y a du bruit chelou. Looks like the stairwell is flooded. If I'm gonna get out of here, I'll need to find a way to drain it. Trouver la commande de la pompe. Et c'est là, non? Vous êtes relous, les mecs. What the fuck? What? Je dois faire quoi? Ça me casse. Ok. Enregistrement. Ok, c'est ici. Mon dieu. Ok, c'est ce que j'ai allumé tout à l'heure. Ce serait bien de save par contre, non? T'en pensez quoi? Est-ce que je peux prendre le petit instrument là? Donc c'est qu'il y a du talent. Alors, il va se passer quelque chose. Suzy Campbell, je pense que c'est celle qu'on a vue sur Shit Poster tout à l'heure. Ok, Benji, il existait vraiment en fait. Interagir avec tous les instruments. Ah si, y a un mot de passe à faire les mecs, je suis foutu. Je vais faire que des fa et des do sur la flûte. On n'est jamais allé ici. Énorme ça. Oh non. Or ça c'est vraiment les contes de la crypte. Ça, c'est les ténèbres absolues.
l'infirmerie, c'est mort. Va falloir pomper l'énergie, enfin l'encre. Je vais prendre l'énergie là, je peux. Ça fait peur. Je sauvegarde, yes, enfin. Well, there's the pump switch, all right. But that's one hell of a leak blocking the door, though. If I could just stop that ink from flowing. D'accord, on va devoir arrêter l'entrée ici. On va écouter l'enregistrement. Wally Franks. Ok, donc là, il nous indique clairement qu'il y a les clés quelque part dans une poubelle. Donc les clés dans les poubelles. Et on pourra ouvrir l'armoire. Poubelle ? Non, pas cette poubelle. Il y aura sûrement une autre poubelle. Une poubelle ici ? Non. Poubelle ici. Il l'a clairement dit dans l'enregistrement, les clés dans la poubelle. Ici ? Non. Quelle poubelle, mec. Ok, je vais devoir trouver les clés. J'espère que les créatures d'encre vont pas apparaître. Je vais devoir descendre l'escalier, j'ai pas le choix. Poubelle ici ? Yes, j'ai les clés. Yes, j'ai les clés, les mecs. Ensuite, on descendra les escaliers parce que je suis pas allé une seule fois. Ok, enregistrement. Audio log name Sam. And I've got mine. To enter, you need only know my favorite song. The drum thunders in triumph. The bass fiddle sings with deep articulation. Ok, donc on aura un mot de passe, je pense. Le tambour tonne en triomphe. Le violon. Donc tambour, violon, piano, violon. Il y a un ordre. Tambour, violon, piano, violon. C'est ce que je comprends en tout cas. Tambour, violon, piano, violon. Tambour, violon, piano, violon. I know there's something I've got to do in here, but I feel like I'm missing something. Ah, d'accord. Donc si je dis missing something, c'est que peut-être que je dois aller à l'escalier. Parce que sinon je risque de rater quelque chose. On n'y est pas allé depuis tout à l'heure dans l'escalier. Ah si, je suis allé. Qu'est-ce que je pourrais oublier? Ah! On n'est jamais venu ici. Qu'est-ce qu'on a ici d'important? Le mec sait pas jouer au billard. Tape avec une hache. Qu'est-ce que je pourrais manquer ici, mec? Ici, ça va s'ouvrir? Non? Je vois pas ce que je pourrais oublier. On va remonter. Yes. Voilà. Là, je vais pouvoir faire la chanson favorite de Samy. Donc, normalement, on est bon. Non, tambour. Violon. Ah, il y a un délai pour le faire, d'accord. Ok, donc j'ai bien compris. Ils disent qu'en fait, il y a le violon avec une voix perçante et il y a le violon profond ou avec une voix assez basse. Donc en fait, c'est la contrebasse, mais ils disent violon basse en fait. Donc vous allez voir, cette fois, on va bien le faire. Je pensais que c'était deux fois le même instrument. Je pensais que c'était deux fois violon, mais c'est pas le même en fait. Enfin, ce que j'appelle contrebasse, ils disent violon basse. Donc ça fait tambour, violon basse, piano, violon normal. Tambour. Violon basse, piano et violon normal, si tout va bien. Entrée dans le sanctuaire, c'était bien ça. Donc voilà, ça m'a induit en erreur en fait. Il est marqué deux fois violon, je pensais que c'était lui. Ok. Plus d'instruments. Passage. Ok, donc là on va faire tomber l'encre. Chante une chanson joyeuse, chuchote une méritune, une note, je sais pas quoi. Attends son arrivée, il arrive très bientôt. Les gars, dès que j'active ça, je pense qu'il y a une course-poursuite. Hein. C'est du caca ou de l'encre? Un en bas. Oh, motherfucker. Pas ça, les gars. Ah! Bon, ça va, c'est que les petits sbires, là. Ils font mal? What? J'y sais que le petit sbire, mais... Ah d'accord, je dois traverser le tunnel pour aller vers la lumière. Oh, comme c'est trop stylé. Oh mon dieu, je les ai sous-estimés. J'arrive pas à les taper sans mourir. D'accord, je reviens vers le totem d'immunité, c'est ça?
Oh mon dieu, ce jeu. D'accord, est-ce que je reprends de zéro? J'ai ouvert le sanctuaire, non? Il va revenir. Je refais tomber la valve. Ah, c'est bon. Du coup, c'est ouvert. On va pouvoir descendre. Je sais pas si ça va descendre tous les côtés de valve. C'est qu'au fond, à l'infirmerie, il fallait qu'on y aille. Oh fuck. Ça va, ces sbires ils me font pas peur, c'est juste qu'ils font mal si je fais pas attention. Cartoon dog. Sacré cartoon dog. Donc là. Oh non, there's no valve. Il n'y a pas de valve. Où est-elle passée? Oh, faut retrouver la valve. Elle est missing. Là j'ai activé quelque chose. Là on peut tester nos yeux, c'est bon. Tout va bien je pense. Down here. Oh non, on est tous des pêcheurs. Ici-bas, on est tous des pêcheurs. Oh non. Quand ça part en délire de... J'arrive plus à sauter, les gars. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, tenez la valve, faut le tuer. Le mouton, Welcome to Slaughter, viendra en massacre. Donc faut que je tue le gars qui a ma valve. Il va me la rendre, hein, moi je te le dis. Qu'est-ce que c'est que ça? I love the quiet. Jack Fane. And that's hard to come by in these busy times. And yeah, sure, it may stink to high heaven down here, but it's just perfect for an old lyricist. Donc là, c'était like le compositeur me. Qui était ici, Jack Fane. Yeah, songs always got some bounce, but if I didn't get away once in a while, they'd never have any words to go with them. So I'll keep my mind singing and Ah, il travaillait avec la puanteur en fait. Pour l'instant, je kiffe l'ambiance. Hein. Je comprends pourquoi vous vouliez que je fasse Benji. Bon, Benji, c'est rien qu'on le tue. Toi, tu vas me rendre ça. Ok, ça va être la course-poursuite. Rends-moi ça. Rends-moi ça! J'ai trop bien anticipé. Bon, là, ça sert à rien, je l'ai pas bien anticipé. Il va revenir là. Ok, ça lui fait rien. Il doit y avoir un autre moyen. Je vais activer ça, je pense. Ouais. Sing with me. Chante avec moi. Comment on chante? Comment on peut chanter avec toi, mec? Vous avez compris ce qu'il fallait faire, hein? Yes! Allez, bien fait pour ta gueule, mec. Sorry, I had to do that. Ouais. Beau chapeau, cependant. Y'a pas moyen de récupérer? Non. Tant pis pour toi. Allez, on y va. On va pouvoir mettre la valve et justement condamner et faire redescendre l'eau. Donc on pourra remonter. Ça, c'est cool. Oh, je le sens pas. Ça a l'air trop simple. Il va se passer quelque chose. Je le sens pas du tout, les mecs. Là, c'est calme, vous voyez? Fermez la valve, on ferme. Ok, that should do it. Ouais, ça devrait le faire. On remonte. Retournez au bureau de Sammy. Donc c'est le bureau qui était condamné. Je vais sauvegarder d'ailleurs à côté. Voilà, c'est celui-là normalement. On pourra rentrer. On sauvegarde. Another day, another. Et on y va. Contrôle de la pompe. Va fermer derrière moi. Je sais pas si j'aurais dû mettre la musique. Prenez les escaliers. Ils nous laisseront pas. Petite sauvegarde, ça mange pas de pain. Ils nous laisseront pas. Clairement, il va y avoir du monster. Wow! What? Nani? C'était pas Benji, c'est un mec avec un masque. There we go now, nice and tight. Sammy Lawrence? We want our sheep roaming away now, would we? No, we wouldn't. What the fuck? I must admit, I am honored you came all the way down here to visit me. Les gars, il est tout en encre. It almost makes what I'm about to do seem cruel. Oh non, on est attaché dans le rituel. Believers must honor their savior. I must have him notice me. Wait, you look familiar to me. That face. Not now.
for our Lord is calling to us, my little sheep. Non, il va nous sacrifier, les gars. The time of sacrifice is at hand. Oh mon Dieu, comment on va le tuer? And then I will finally be freed from this prison, this inky dark abyss. Il va essayer de prendre mon corps. Quiet. Listen. I can hear him crawling above, crawling. Je pensais que c'était un humain déguisé, mais là je pense que de plus en plus c'est une créature d'encre. Non, pas de rituel, pas de rituel. Soon he will hear me. He will set us free. Il parle de qui quand il va les libérer? Le Joey? Ou la créature qu'on a vue tout à l'heure? Fuck, 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 faut trouver quelque chose. Oh non. Oh non. C'est une bougie suspense ça derrière. Non, je vais me réveiller moi. Ça va pas finir comme ça. Non, 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 non. Oh non, y'a Benji qui arrive. Démon d'encre. Montrez-vous et prenez ce mignon mouton. Oh non, fuck, on est le mouton, les gars. Non, monseigneur, restez en retrait, je suis votre prophète. Ah, il en a rien à foutre, il tue tout le monde, Benji, apparemment. On est mort. Prendre la hache pour dégager. Where is the hache? Elle est là. Ok. On peut le faire. Je vais tuer toutes les créatures. Pour se faire un passage. Je veux voir s'il n'y a pas quelque chose à loot. Non, c'est stressant. J'ai peur que Benji vienne en cavalant vers moi. Ok, ça c'est le totem. Je vais sûrement crever. Là, ça va être la course-poursuite. Hein. Là, ça va être la course-poursuite, c'est sûr. Passer par là. Ah, c'est cassé, ma hache. Ok. Ah, oh mon Dieu. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, il est horrible. Ok, droite. Non. Oui. Non? Oui? Ah! Fuck. Je vois la lumière. Est-ce qu'on va revenir là? Allez. J'ai réussi à toucher le totem? Yes. What? Il est horrible. Oh mon Dieu, les mecs, Benji, il est horrible. Ah. Vite, cours, 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 cours. Cours, mec. Ok, c'est bon, on s'en est sorti. Je sais pas pour combien de temps, on s'en est sorti. D'accord, on est où, là? Lift, c'est pas l'ascenseur, lift? Oh, oh. Hello? Someone there? Est-ce que c'est un allié ou un ennemi? I know you're in here. Ça sent l'allié, come les mecs. Come up, show yourself. Eh! Je connais de nom. Il s'appelle Boris. C'est celui qui était attaché tout à l'heure, non? Cartoon Dog. Boris. Boris. Ouais, je connais de nom. Malheureusement, j'avais déjà vu. Je sais qu'il y a un jeu en rapport avec Benji qui c'est Boris. Chapitre 3. Ascension et chute. Ok, chapitre 3, c'est parti. Quitter la maison. On est dans une maison? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à prendre ici? Non. Ok, il y a quelqu'un qui a étendu son linge ici. Wow, il y a Boris là-bas. On va aller le voir. Je sais pas s'il parle dans le jeu, je sais même pas comment ça se passe. Il est trop stylé. Ça, on va le boire. Ok, il faudra qu'on trouve un levier alors. On va parler à Boris. Hey buddy, using that lever handle around? Or are you holding it hostage until I make you something to eat? I thought so. Let's see what we got. D'accord. Trois bols de soupe?
3 bols de soupe. Et là. That should be enough. Ok. Ah bah je les ai pas bu en fait, parce que ça fait le bruit de comme si je le buvais. D'accord, donc maintenant je saurais que ça collecte. Ok, on t'a préparé, excuse-moi. Je savais pas que j'étais la boniche. Ok. Allez, le repas est servi. Ça, c'est un bon troc, ça, j'aime bien. Du coup, il a bu ou pas? C'est parti. Trouver une nouvelle sortie. Ne vous égarez pas. Pourquoi il a dit ça? Tasty eat. Oh. Oh les gars, il m'a mis pas bien. Il est gentil au moins. Ouais, il est gentil. Il m'aurait pas aidé sinon. J'ai pas d'armes. Hein. Ça. Ok, ça part en ambiance creepy là. Ah mais putain, il est juste là, il fait plus peur que le jeu en lui-même. Mais Boris, tu me fais plus peur qu'autre chose toi. Ok, on lui met la lumière dessus. J'espère qu'il va me défendre s'il y a un monstre. J'espère que je suis pas en train de louper des trucs. Oh là là, c'est creepy hein. Oh, oh, oh. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Did you hear that? Ah oui, on l'a entendu, mec. Yeah, me either. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver? Une sortie. Yes, de la lumière. Du coup. Another dead end. Ok, donc on va passer par là, je pense. You got any ideas for us? C'est cool. Bah, les canalisations plutôt. Yes. Du coup, ma lampe, je l'ai plus. Ah, Boris va passer et m'ouvrir, non? C'est ça? Allez, Boris, tu peux le faire, mec. Yes, GG, beau gosse. Du coup, il est où? Où il est où? Wow. Evenly Toy. Wow. Le paradis des jouets? I don't remember any of this. C'est incroyable. Attendez, qu'est-ce qu'on a? Tous les petits jouets. Eh, on a la grosse peluche de Benji. La petite poupée de Boris. On va monter. Franchement, je kiffe l'ambiance du jeu. Je sais que je le dis à chaque fois, mais c'est un jeu. Ça fait très longtemps que je devais le faire. Même avant que vous me le proposiez. Another day, another dollar. Ok, on devra mettre le courant. Eh, hey, y'a toutes les figurines pop là, les mecs, c'est trop cool. Always something blocking the door. Gotta be a way through. Y'a toutes les pop. Oh, tu m'étonnes. Réparer la puissance du moteur, d'accord. Est-ce qu'on peut pousser la chose? Sean Flynn. En train de se plaindre les employés. Ah, j'ai l'impression que ça bouge. Est-ce qu'on peut le pousser sur le côté? Alors, attendez. Peut-être que c'est ça tout simplement. Et oui, c'était ça tout simplement. Je pensais qu'il fallait mettre du courant en fait. Ok. Là. Il y avait un avion qui gênait. Un petit avion joué. Oh, encore une peluche qui gêne. Là, il y a quelque chose qui bloque encore. Oui. Ah oui, mais il y a des jouets de partout en fait. Qu'est-ce qu'on a qui bloque encore? Il y a un truc qui bloque, c'est objet là, non? Là. Ensuite. Ici. Et ici. Ok. Où ça, ça devrait se décaler, non? Activer la machine à jouer. Ok, on a un petit passage. Donc ça, je l'ai fait. Ensuite. Ah, d'accord, ok. Une porte. Voilà. Et là on peut passer. She's quite a gal. Donc on va rencontrer peut-être celle-là bientôt, je pense. Hein. Oh. What?
Elle est là? J'ai peur, on va se manger un screamer, non? Non. Non. Non, s'il vous plaît. Moi, bon, je reste au fond. Non, on va la croiser, les mecs, c'est pas bon. Hein. Wow! Oh mon dieu, elle est horrible! Elle a cassé la vitre! Je fais quoi, moi? Qu'est-ce que je dois faire? Oh non. Alice Angel. On est cuit, les mecs. Oh là là, non! Oh non, elle a cassé la vitre. Elle est passée. Voilà, du coup... soit ça du fight, soit la course-poursuite, les mecs. Démon Angel. Voyons voir si t'es un ange. Est-ce que c'est un piège? Je vais du côté ange et c'est bon? Côté ange. Je sais même pas si ce jeu a des... délire de fin alternative. J'espère que c'est pas un piège. Elle a parlé de côté ange. Suzy Campbell. Ok, donc ils ont changé la vedette et elle l'a mal pris. Ça sent la vengeance. Hein. Putain, je le sens pas du tout, les gars. Je le sens pas du tout. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok. On va devoir se cacher, j'aime pas ça. On va devoir se cacher, les mecs. Je le sens pas. Je le sens pas du tout. Si on peut se cacher. Oh, on va te faire foutre. Les gars. Ah, Boris est là. Oh, you scared me to death. C'est lui qui fait ça? Don't suppose you found anything we can use to protect ourselves with. Ah oui, donne-moi ça, mec. This will do. Je vais me battre. Fuck. Boris, aide-moi, mec. Oh non, oh non. Quand il y a un petit chargement en bas, je vous explique, ça sent le combat. Ça sent le gros monster. Ok. Qu'est-ce que tu fais, Boris? Par contre, honnêtement, les gars, qui rêverait d'avoir autant de grandes peluches dans sa chambre? Moi, oui, c'est sûr. Alors, je pense qu'il va falloir activer ça. Hein. Peut-être c'est trop tôt. Je vais d'abord aller là-bas avec Boris. Il va me dire quoi faire. Ok, on va le faire en même temps. Ok, je m'approche de ça. C'est la statue qui fait respawn. Trouver le deuxième levier, ben... A, B. Oh putain, je le sens pas du tout, les mecs. Elle me laissera pas. Je vais juste regarder ce qu'il y a ici. Wally et Thomas. S'embrouille à propos de la pression. Ça peut être que ici, je pense. Je suis les câbles. On va les croiser eux aussi. Ah! Dégage! Ah! Meurs! Meurs! Oh! J'ai quand même dit, on va les croiser ceux-là! Oh mon dieu! Trouver une nouvelle sortie. Oh les enfoirés. C'est bon. Mais attendez, là-bas ça m'intrigue. On a ouvert la porte, je vais aller avec lui. Qu'est-ce qu'on a ici? Là, de la vie. Yes. Boris, où es-tu? Ici on pourra se cacher aussi. Gents. Ladies, c'est les toilettes ça. Ok, je crois que je dois aller ici. J'aurais peut-être dû vérifier ce qu'il y avait en haut, non? Come to me now.
Niveau 9. Il suffit de suivre les cris, non, on va pas y aller les mecs. Hors de question. Stealth Angel au niveau 9. Fuck. Level P. Et ensuite c'est le 9, c'est ça? Level 9. Ouais, il y avait un 9, je pense que ça va être ici. Ouais, c'est ici. J'ai peur d'y aller. On y va, Boris? Ouais. Ok. Ici, on a un enregistrement. Thomas Connor. Ok, il se plaît à propos de l'ascenseur. Ok, j'y vais. Ça sent le boss, mec. Ça sent le boss, mec. Oh my god. Pourquoi il court? Qu'est-ce qu'il te prend? Pourquoi il court? Il est possédé, Boris. Non! What? Il y a un milliard de Boris? Mec, tu vas finir comme eux, reste ici? Est-ce que je dois libérer une armée de Boris? Oh, lui, on s'est battu contre lui. Oh mon dieu. Ah, il doit pas être bien là. Oh là là. Ah, c'est creepy les mecs. Hein. Oh. Elle les a sacrifiés pour se rendre plus belle? Je comprends pas. Oh. Elle a sacrifié quoi une Boris? C'est creepy de fou. Oh, attendez. On va prendre l'enregistrement, on va écouter. Suzy Campbell. C'est pas bon. On approche des ténèbres. Hein? Elle est là. Ok, elle est là. Qu'est-ce qu'elle fout? Elle est trop bien faite. How's a girl to choose? Take this little freak for instance. He crawled in here, trailing his tainted. On dirait Abraham Lincoln. It could have touched me. It could have pulled me back. Do you know what it's like living in the dark puddles? Elle est complètement possédée les mecs. Buzzing, screaming well of voices. Je suis mort. Bits of your mind swimming like. Je vais m'enfuir, je le sens. Tu n'es pas du tout un ange. Ah, il te manque qu'un œil, ta bouche, on dirait de la fondue. Elle va nous demander de sacrifier Boris, non? Elle va nous demander une faveur. Ok. Elle va pas nous tuer. Accepter l'offre. Retourne à l'ascenseur. Elle a une offre à nous faire, mais je la sens pas du tout son offre, les mecs. Vous avez vu tous les Boris qu'elle a sacrifiés? J'espère qu'elle va pas nous demander de sacrifier le... Bah c'est peut-être le dernier Boris qu'on a vu. Et il est où d'ailleurs? Il est où? Il a disparu? Il était là? Eh, c'est mon ami! J'espère qu'elle lui a rien fait. Hein. Ok, non, c'est bon. Il nous attend. Ok, il lui faut des pièces. Yes. Et là, y a rien. Ok. Trois équipements spéciaux. Ces machines ont faim. Elles ont faim de quoi, ces machines?
few rules to our world now. So little truths. But there is one rule we all know and respect down here. Beware the Ink Demon. Back to the old grind. Oh no. He hasn't been open for too long and he will find you. D'accord. If you see him, you'd better hide. Donc elle aussi elle a peur du démon d'encre. Well, I enjoyed our date. Now, attendez, il y a plein de portes là. Let us begin our work. On va remonter. Là, on a l'étage 9, on va retourner au cas. On remonte tout en haut au cas. Il peut tout entendre, ah bah c'est pas bon ça. Ah, y'a un problème, hein, quand je touche, ça touche pas. Ok, toujours fermé. Faire tout. Oh. Je vais faire tout l'étage. On va croiser le démon d'encre, c'est sûr. Oh putain, qu'il mange. Aïe. Ah, yes. C'est eux en fait qui vont me donner les pièces. Alors là-bas, c'était l'endroit où je m'étais demandé s'il fallait que j'y aille. On va y aller, on va aller au fond du couloir. Donc on va au fond. Là, je suis un peu perdu, mais je pense qu'on va trouver. Par contre, je le sens pas du tout ici. Ça te semble familier? Pourquoi ça devrait me sembler familier? Je dois faire quoi ici? Les gars, c'est pas bon. Oh. Meurs. Nothing in here. Ok, on a rien ici. Donc c'est le genre de casier comme ça qu'il faut vérifier. Ok, là non plus. Wow. Là peut-être. Yes. Ok. Yes. J'ai tout ce qu'il faut. On lui ramène. Comment ça il essaie de pas mourir sur le chemin du retour? Je suis là normalement, non? S'équiper d'un équipement de la boîte niveau 9. On va aller niveau 9 maintenant. Allez, on y retourne. Alors Boris. Aïe, pardon. On peut vraiment le taper. Il fallait que j'essaye, je suis désolé. Donc là, on va lui ramener donc les trois engrenages. Donc les trois objets qu'il lui fallait. C'est... Ouais, c'est là. C'est bon ? You'll have to learn to move quietly. Come back to my door. I have something that you'll need. Ok. Donc on doit attraper ceux qui sont un peu gonflés. Niveau 11. Niveau 11. Ok. Donc là, si on meurt, on revient ici. Attendez. Ah! Mais je suis con! C'est pas du tout ce que je voulais faire. Ok, d'accord. Bon, je me suis mis une petite ambiance du coup. What? C'est quoi ça? C'est quoi ce truc? Aïe! Aïe! Ok. Donne pas la petite boule. C'est dangereux parce que dès que je les touche, en fait, je suis trop loin à chaque fois. C'est pas toujours pris en compte ce que je fais. Wow, 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 wow. 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 C'était quoi ça? Wally Franks. Ok, il se plaint que les gens ils sourient pas alors qu'ils ont tous la grimace. Par contre, vous avez vu ce qui est passé?
Moi, je vais me cacher. Eh, faut lui mettre deux coups. Si le truc qui revient, je me cache. Hein? Yes. Ok. Donc on revient. C'est vrai que... Ah, il y avait G. Ok. Je me cache là. Il y avait l'armoire. Je sais pas s'il fallait que je cours là-bas, mais. Pour moi, c'est lui, Benji, c'est le monstre. Hein. Est-ce que je dis des bêtises? Est-ce que c'est ouvert au fond? On va le voir de suite. Ah, je suis mort! Je suis foutu. Je suis foutu, les mecs. C'est la fin. C'est la fin! Allez, le tunnel. Le tunnel. Je vois la lumière. On va s'échapper. Elle est longue ce tunnel. Ok. Bon, du coup, on aura esquivé Benji. Ok, on va aller voir la femme. On va lui rendre. Et elle va nous faire aller au niveau P, je pense, ensuite. Ça, on a le P, on a le 14 à faire. On peut le piquer. Aïe, pardon. Désolé. C'est mon cobaye. Petite save. Qu'est-ce que tu veux maintenant? I'll make this simple. Look for valve pads. Turn the little wheels. Then bring me their power cores. Panneau de la valve. Please don't make me regret sparing you. I can always change my mind. Là, je sens pas du tout, moi, cette meuf. Ah, oui, c'est vrai. Ok, on va déboucher les chiottes. Niveau P. Donc c'est parti, on va y aller. Boris. Désolé. On va toucher la statue d'immunité. On reste comme ici. Niveau P me dit quelque chose. Et ils me touchent de loin, eux. Ok. Ils me touchent de très très loin, je trouve. Hein. On va faire gaffe. Ok, c'est comme si je régène là en fait, c'est cool. On va vérifier ici. Alors, où ils sont? Allez! On débouche le caca, putain, je vais crever! Ouh, c'était limite là. Est-ce qu'on en a ici? Ok. Ah! Oh! 5 à 7? C'est bon ou c'est pas bon? Peut-être je vais le faire pareil à la moitié. Ok, donc encore un cran et un cran. Yes! Il nous manquera une valve. Enfin, un noyau de valve plutôt. Ok. Où c'est que je peux aller? Eh, ça touche pas de. Eh! Tu meurs toi? Wow! Ah, c'était chaud là. Donc, je pense que c'est pareil du coup celui-là. Ah! Ah! Merde. Ok. Et là, je pense qu'on aura tout ce qu'il faut. Hein. Yes! Ouais, je suis un petit garçon efficace. Aïe! Il veut pas mourir. Hein. Ça fait de moins en moins mal. Ok. Donc, du coup, on va y aller. Donc, on retourne, on va lui donner ce qu'elle a besoin. What? C'est la fin, non? Et je crois pas... Ah, mais... Ah, mais c'est par là! Je suis mort? J'ai pas compris. Ok. Bon, bah, du coup, c'est réussi. Elle m'aura bien défoncé. Alice Angel. Les gars, j'espère qu'on va pas en faire un monstre cette fille et qu'elle va pas nous la mettre à l'envers surtout. Ok, je pense qu'on a récupéré les trois choses dont elle avait besoin.
Et que là, ben, on approche bientôt de la fin du chapitre. C'est bon? Oh non, on doit faire quelque chose d'autre. Ok, qu'est-ce que tu vas me donner cette fois? Un bazooka? Une hache! Ah oui, la hache! Alors, prenez garde de démonter l'encre. Toutes les sculptures de Benji. Mais c'était niveau K. Oh non! Il nous laissera jamais le démon d'encre. C'est impossible qu'il nous laisse. Always on time. Oh là là, le démon d'encre, quand il est arrivé, il m'a bloqué l'ascenseur, je savais pas quoi faire. Ok. On va commencer par toi. Meurs! Vous avez vu, il y a un problème, hein? Enfin, ça doit venir du jeu, mais bon. Toi, meurs! Ah là, ça one tap, ça fait plaisir. Ok, donc j'ai rien à ramasser. Donc on retourne au niveau des jouets, c'est ça? Okay, je m'y attendais pas celui-là. Je détruise tous les trucs de Benji. Même les peluches? Non, les peluches non. Donc de ce que j'ai compris, c'est juste les panneaux. Ok. Si le démon d'encre vient, je suis mort. J'ai aucune chance. Je le sens pas du tout. Je vais marcher, peut-être ça fait moins de bruit que courir. Apparemment, il entend tout. Oh oh. Il est pas loin. Est-ce qu'il s'approche? Ah! Ok. Vite, 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 vite! Vite! Cours, 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 cours! Ah, on va crever! Ah, on va crever! Je suis mort. Je suis mort. Je suis mort. Je suis foutu! Oh mon dieu, il me laissera jamais. Ah putain! Est-ce que je peux? Non, c'est mort là, il va me voir. Mais il m'avait vu normalement. Oh mon dieu, j'ai l'impression qu'il est juste sur moi. On va attendre un peu. Hein. Ok, je pense qu'on peut y aller là. Non, je pense pas. Il est pas loin. Il est pas loin de fou, regardez. C'est mort. Vaut mieux que je me laisse tuer. Non, non, je... C'est mort. On peut le frapper? Non. Ok. Bon, c'est peut-être une bonne chose qu'on soit mort. On va devoir tuer tous les Benji en carton. J'espère qu'on va pas croiser le démon entre temps. J'ai pas l'impression qu'il soit là. Tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Ok. Tu meurs. Ok, elle peut pas mourir. Je me serais bien défoulé. Ok. Côté démon est fermé, vous avez vu. Donc là j'entends rien, il a pas l'air d'être là encore. Je crois. Oh, il m'a fait peur. Il m'a vraiment fait peur. Alors, on va devoir détruire tous les Benji ici, d'accord? Ça va pas être évident, je vais sauvegarder. Mais lui il me laissera jamais par contre. Ok. Toi tu meurs, toi tu meurs, toi tu meurs. 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 Et toi tu meurs, yes. Elle a oublié de mentionner quoi? Oh, attendez, je me prépare à me cacher. Ok. Ok, je me cache. Je le savais. Va falloir qu'on retourne là-bas, j'y arriverai jamais. Il y a Benji juste à côté. Donc est-ce que c'est Benji? Benji a l'air gentil en fait sur la jaquette du jeu. Est-ce que c'est démon Benji ou est-ce que c'est vraiment lui Benji? Oh là là, il est juste à droite. Oh mon dieu. C'est pas Benji ça. Il ressemble à Benji quand même. Je fais quoi? Il marche comme un rôdeur. Oh my god. On a aucune chance de lui échapper. Ok, je vais attendre qu'il s'éloigne un petit peu. Vous avez vu comme ça fait autour de lui quand il y a les ténèbres? Donc ça c'est une belle indication. Dès qu'on voit ça, on sait que c'est... il est pas loin. Ok, il est parti à droite. Il a traversé le mur, what the fuck?
On re-sauvegarde. Another day, another dollar. Ok, il a traversé le mur. Je savais même pas que vous pouvez traverser le mur. Ok, j'ai réussi à aller jusqu'à l'ascenseur sain et sauf. J'espère qu'elle va plus rien nous demander. J'espère qu'on va pas se battre contre elle surtout. Allez, on est bon. On sauvegarde. On va lui donner ce qu'elle voulait. Oh non, encore un truc à faire. Faut la sauver. Faut la sauver. Tuer le gang des bouchers. Ok. Vous approchez pas de Boris les mecs. Entre. Ok, viens sur moi, c'est pas grave. Le gang des bouchers mec. Ah ouais, ils sont beaucoup là. Wow. Et je vais crever. Ok, donc le gang de boucher arrive. Je pensais qu'ils allaient s'attaquer à Boris, mais en fait ils s'attaquent qu'à moi. Donc non, c'est pas plus mal. Donc ils vont venir sur moi. J'attends parce que si je les croise tous en même temps, je vais crever. Je vais plus avoir le temps de régène. Ok. Là. Ah merde, j'ai trop avancé. Et meurt. Merde, il touche de trop loin. Il touche de trop loin. Ok. Je vais pas avancer parce qu'il y a les flaques qui vont sortir à ce moment-là. Il faut flipper le gang des bouchers, mec. Aïe, 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 aïe. Yes. C'est bon. C'est bon. Y'a plus de musique, là. Ouais, j'aime le silence, moi aussi. Sauf quand il est inquiétant. De quoi? Oh non, je crois que c'est niveau 14. Oh non. Sending you a little present, a little firepower. Take good care of it. D'accord, donc on va avoir une arme là, plus puissante. Genre un pistolet. Oh! Il se fout de ma gueule? Les gars, ils nous apprennent? On l'a aidé, nous apprennent? Je devais avoir une sulfateuse? Alors attendez, on va aller dans les ténèbres. Vous avez dit qu'on allait avoir une sulfateuse? Oh my god. Boris, on va crever, mec. Et toi, tu vas me regarder crever. Oh oh. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh là là. Pas bon. Un cœur? Oh, j'ai fait quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Le projectionniste! Il est en bas? Non, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. Oh non, on n'y arrivera pas. Est-ce qu'il m'entend? Ça va être compliqué de lui ramener les pièces qu'elle veut. Le projectionniste, les mecs. Faudrait qu'on touche la statue de Benji. Ah! Vite, vite, cours, 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 cours. Oh, il va trop vite. Ok, ah d'accord, c'est quand on est dans son élément. Alors, attendez. Je crois. Ou je touche la statue, je crois. Au moins, je revis. Ok, donc qu'est-ce qu'il dit lui? Norman Polk. Ah mais j'ai l'impression que l'encre elle a transformé les travailleurs en fait. Les employés se sont transformés. Genre peut-être lui c'est Norman Polk. Enfin c'est évident peut-être pour vous depuis le début mais... Faut pas que je t'emmène à nu.
salut. J'espère qu'il se rapproche pas de moi. Ça va l'attirer. Ça va l'attirer. Ça l'attire. Ça l'attire. Ok, je vais refaire le tour. Oh, c'est chaud. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Cours! On peut pas sauter, on peut pas courir. On peut pas sauter, on peut pas courir! Oh mon dieu. Oh mon dieu! Vite. Ouh. C'était limite. Je crois. C'est bon? Il est pas fut-fut, hein. C'est bon. On a aucune chance. C'est mort. Oh là là, ça va être difficile. Ça va être vraiment difficile. Je vais passer par là. Heureusement, on a deux entrées. S'il me voit là, c'est parfait. Au moins, il campe ici. Ok. Et du coup, on sort par là. Je crois. Est-ce que c'est possible? Faudrait qu'il aille à droite. Qu'est-ce qu'il fait là? Donc il est parti à gauche. Mais merde! C'est mort, c'est mort, c'est mort. Ah, c'est mort. C'est mort. C'est mort. C'est mort. Ah! Il m'a pas one shot! D'accord, on pouvait s'en sortir en vrai. Enfin, on pouvait. Ok. Il est où lui? Ah, mais ils sont sérieux! Dégage! 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 Oh. Là c'est horrible ce qu'ils sont en train de faire. Je bouge pas, je bouge pas. Ah, il me repère trop facilement, c'est un truc de fou. Faut vraiment ne pas le voir en fait. C'est bon là? Ok, est-ce qu'il y a... Ah, il y a une armoire en face. Il y a une armoire là. Ok, on a une armoire ici. Que je peux passer par là. L'objet à ramasser. Là, on a un objet. Merde, il est là. Je me cache, je me cache, je me cache! Oh mon dieu! Oh mon dieu! Oh mon dieu, c'était limite. Oh, il est horrible le projecteur. Ok, tant que je l'entends, j'y vais pas. Heureusement qu'on a les armoires. Dès que je l'entends plus du tout, on y va. Jeu le plus creepy que ce que je pensais. Ok, il doit manquer un objet. Il doit manquer un seul objet. Putain, il est vers là. On a rien là. Ok, je sais pas si j'ai tout. Je me cache, je me cache, je me cache. Oh my god! Allez, barre-toi. Donc là, j'attends encore ces bruits de pas. J'attends qu'ils partent. C'est vraiment chaud. Non. 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 Non, mais sérieux! Oh là là, c'est trop compliqué. Ok. Je pense que je vais pouvoir y aller là. Oh, je suis mort, je pense, bientôt. Ok. C'est mort! Ah! Ok, bon, c'est bon. C'est bien, d'un côté qu'on soit mort, moi je suis direct à l'ascenseur. Enfin, vers l'ascenseur.
on se tire. Donc je lui ramène 5 heures. Vers quoi avec 5 heures? Allez, on remonte. Franchement, je le respecte, celui qui a fait Benji sans mourir. Il est pas si facile que ça. Allez, let's go. Étage 9. C'est parti. C'est bon, on a réussi, Boris. On y est arrivé. Allez, petite save. Voilà. Normalement, c'est bon. J'espère qu'on n'a plus rien à faire. Là, c'est bon, je pense. Enfin, on a fini sa liste. Pas du tout, tu m'as fait faire trop de choses. Allez, rentrons à la maison. Retourne à la surface. Du coup... Non, c'est pas à moi d'appuyer, du coup. Ça m'inquiète là ce qu'elle est en train de faire. Oh non. C'est pas bon, j'ai pas envie d'aller au paradis avec elle. Level 11. Level 4. Pourquoi elle pleure? Oh non. Oh non. Elle se moque de nous là. Level 4. On va encore plus haut? Oh non. Elle s'est foutue notre gueule les mecs, on l'a rendue plus forte. On retombe. Merde. Elle veut Boris? Mais jamais de la vie. Et ouais, là tu es tous les Boris, c'était évident. Elle a tué tous les Boris, et là elle veut le dernier. On va le défendre, les gars. Oh putain. Oh merde. Non, 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 non. Derrière toi, Boris. Oh putain, elle va le tuer, le pauvre. Non, 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 non. Il essaie de me réveiller, là, non. Ok, Joey. Je suis là. Chapitre 4, merveille colossale. Ok. Sauver Boris. Oh là là, le pauvre, vous avez vu comment elle a enlevé? On va avancer. C'est incroyable. Alors, les archives. Recherche et développement, c'est ça? Access. Je vais commencer par quoi, moi? Ça a l'air vraiment très très grand. Ok. Ça chuchote beaucoup, là. Wow! Inconnu. What the fuck? C'est quelqu'un qui est en train de se transformer, ça? Wow! C'est le monstre d'encre, je pense. D'accord, qu'est-ce qu'on a ici? Ici, on n'a rien. Donc, on n'a pas le choix. On va aller côté recherche et développement. Côté archive. Definitely something missing here. Ok. Ça, j'aime pas trop, par contre. Vous voyez, on peut trouver un objet à l'avance, mais le problème, c'est que c'est scripté. Donc, même si je vois l'objet à l'avance, il sera pas en surbrillance. Et on l'avait vu ici. Voilà. Ok. Archive. Oh shit, c'est des mannequins ça? What the fuck? Il va nous libérer. Ok, je sais pas si vous aimez bien les boîtes à musique, mais moi je trouve ça creepy. Donc ils ont l'air d'avoir... Et non, je sais pas. Ils ont l'air d'avoir peur, mais en même temps j'ai l'impression que... C'est leur prophète, entre guillemets. C'est chelou, hein. En tout cas, ce jeu me donne des vibes de Bioshock, pour ceux qui connaissent. Et si vous l'avez jamais fait, franchement, je vous conseille la série des Bioshock. C'est incroyable, c'est juste magnifique. Ok, Suzy Campbell.
Perfect. Now Joey's going around saying things behind closed doors. I can always tell. Now he wants to meet again tomorrow, says he has an opportunity for me. I'll hear him out. But if that smooth talker thinks he can double cross an angel and get away with it, well, oh, he's got another thing coming. Alice? Ooh, she doesn't like liars. Ok, faut pas oublier que c'est Joey qui nous a ramené ici aussi. Et apparemment, on a fait travailler avec lui. Privé. Ok. So that's how it works. D'accord. Donc on aura plusieurs livres à, ou objets à entrer. Ici. C'est un beau passage secret, ça. Yes. Wow! What? Oh, le flashback! Ah, j'étais pas prêt, les mecs, là, moi. Ok, j'ai pas regardé vers l'intérieur, là. Ça doit être carrément dedans, ici, là. Ouais. Le dernier doit être par là. On a tout bon. C'est bon, j'ai tout. Yes. Entrer dans l'obscurité. Non, pas les ténèbres. Oh! Qu'est-ce que c'est que ça, là? Qu'est-ce qui se passe, ici? Va falloir sauter? Oh non! Pas les plateformes! Je le sens pas du tout, les gars. Je sais pas ce qui va se passer, mais. Ok, toujours trouver le problème. Le résoudre. Oh, on a de la végétation ici? Qu'est-ce que c'est que le problème, là? Oh, 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 oh. C'est bon ou c'est pas bon là? Ok. On tourne. Je vais pas ramener encre Benji. Attendez. Ça il me le fallait. Donc là j'ai de l'encre. On a une boule d'encre. C'est la première fois que je fais ça, mec. Ici? Ouais. Et donc? Un engrenage il manque. J'ai pas vu d'engrenage, j'ai pas fait gaffe. Ok, je viens de capter sur le côté, regardez. On a des symboles. Yes, c'est pas ça qu'il nous faut. Ouais, c'est un distributeur en fait. Nice. Avec l'encre, on peut créer l'objet qu'on veut. C'est trop cool. Ok. Ah, c'est trop long, je le sens pas. Vous avez vu, je suis parano maintenant dans les jeux comme ça. Il va se passer quelque chose. C'est trop calme mais ça a l'air trop simple. Ok, c'est pas comme ça que ça se passe. Je clique dessus. Il faut que rien ne se passe. Que j'atteigne l'autre côté sans problème. Ok. Wouh! Non, 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 non! C'est le suspense, ça s'appelle le suspense. Oh là là, ils jouent avec mes nerfs, hein, c'est pas cool. Oh, ils ont bien joué avec mes nerfs là. D'accord. Est-ce que le pont va casser comme dans les films américains au dernier moment? Non. On avance. Oh non, pas les longs couloirs comme ça. Oh. What? Mais dis pas que c'est les employés. Qu'est-ce qui est descendu en face? Est-ce que ça serait pas les employés en fait? Tous ceux qui travaillent ici ont été changés en encre à cause de la machine? Impact avec le diable. What? Non, elle est encore là! Ok, je vais monter. C'est la foi qui me maintient. C'est le courage. Oh, attendez, j'ai pas touché la statue. Voilà. Non, non, faut pas qu'elle touche Boris. Vite, on va se dépêcher. Non, ne touche pas Boris. Laisse-le en un seul morceau. Eh, c'est notre pote, je veux pas qu'elle le touche, moi.
est en haut. Ouais, on est bientôt arrivé. Ça sent le combat, hein. Oh. Qu'est-ce que c'est que ça? He always bites me. Oh no. I just want to go home. When do we go home? On peut juste rentrer à la maison, il agit. Bah tu restes là-bas. Ok. Est-ce que je vais devoir me cacher? Je le sens pas du tout, les gars. Un peu de vie. Là, on a rien à faire. Au revoir, au revoir. Ferme la porte, ferme la porte, ferme la porte. Pas d'ange. Oh mon dieu. J'ai l'impression que c'est les employés. Qu'est-ce que c'est que ça, les gars? On va devoir aller dans le trou derrière, les gars. Les pauvres. Ah, je suis sûr, ils sont prisonniers. C'est ce qui est arrivé aux employés. Pleure pas avec les autres. La lumière. Oh non, oh non. Est-ce qu'il y en a qui ont la phobie de passer dans des canalisations? Bon déjà, qui fait ça comme activité le week-end? Est-ce que cette peur est un nom? C'était obligé. C'était obligé. Vous avez vu, j'ai pas eu peur. Hein. Ça veut pas dire que j'ai... On va pas mourir. Ok, je crois faut que je me... Non. Ok, c'est vraiment un cul-de-sac. Bizarrement, ça m'a pas fait peur. J'espère qu'on va pas le recroiser en tout cas. Je pense que ce jeu est grave stylé. On va regarder en bas. Ça donne le vertige. Je pense qu'il va falloir aller vers le bruit. Oh. Il tape la tête. Oh my god. C'est vraiment un jeu de malade. Ok, on avance. On se laisse pas distraire. Et on continue. On va à la droite. Pas le choix. J'espère que ça termine bientôt. J'aime pas être... Oh oh. Et puis c'est trop grande. Ok, il y a notre totem. Stockage. Donc on va aller la voir. Va falloir sauver Boris. On y est presque. Je sens qu'elle va nous troll. Ok. Parti. Bertram Piémont. Colossal wonders, such as the world has never seen. I have earned my legacy with sweat. Right in front of everyone. High-level investors, Wall Street tycoons. The ever-tactless Joey Drew introduces me, the great Bertram Piedmont, as... Ok, donc en fait, Drew, il a embauché Bertram Piedmont. Qui faisait donc les grandes constructions pour lui. Mais il dit que ça lui appartient qu'à lui seul. Ok, donc il a fait tout ça. Ok, là on a une petite maquette. Franchement, c'est incroyable. Trop stylé ce qu'il a fait. Ok. Donc là, on a ouvert le stockage 9. On va y aller. Les rêves deviennent réalité, il y est marqué. Stockage 9. Ok, c'est très très... Ok. Ok, lui là. Benji's. L'enfer de Benji. Ok. Ça sent le combat. Ça sent le combat, vraiment. Je dis ça depuis le début du jeu, les mecs, mais... Là, il y a une sauvegarde et tout. En mode fête foraine. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qu'on a ici? Maintenance. This haunted house seems like the way to go, but it's gonna need some power. Hang in there, Boris. Power. I'm coming. Recherche. Ouais, design et développement, s'il vous plaît. Ok. Super. Ok. Bon, on va commencer par ça. On va s'amuser. Yes. Ok.
Okay. Are you having fun? I'm sure Boris doesn't mind waiting for his rescue party. Prendre ça. Donc il y a plein d'activités à faire en fait. Comment ça se joue? Est-ce que c'est toujours avec la vue que je contrôle? Ok, c'est compliqué avec la vue. J'ai pas trop compris le système. On va refaire. Mais pourquoi il y a des balles qui s'enlèvent doucement? Je comprends pas. Wally Franks. Ah, il est malin, il a truqué le jeu, il a dit au moins s'il gagne, ben je sors, mais... Ça, c'est dans mes cordes. Non. J'en ai raté une. J'en ai raté une. Oh non, on y était presque. Je veux la peluche Benji, on recommence. Allez. On va choper la peluche Benji. Des fois ça tire pas, il y a un petit bug. Hein. Allez. Yes. Yes. Je veux la peluche. Non, on l'a pas, ok. Bon, je save. Je sais pas si j'ai avancé dans quelque chose. Ça par contre, je sais pas si ça va servir vraiment. Ils sont trop truqués leur jeu. Ah! Sérieux les gars, on a ouvert la porte? Ok, chaque jeu débloque une porte. D'accord, bon on va y aller. Dommage, on peut pas emporter le fusil avec nous. Oh non, ils sont horribles. Oh mon dieu. That's one. Deux. Pudging in. Deux, mais je le sens pas du tout. Donc là, je vais activer d'autres attractions, je pense. Ok, recherche et design. Looks like I've got some company up ahead. Oh non, il y a le gang débouché. There's gotta be a way around them. Ok, donc on doit les contourner. Déjà on va faire en sorte que je puisse respawn. Ah ok, les canettes. Les canettes vont m'être utiles. Non, pas là. Ok, ils vont rester là-bas. On va les laisser dans le coin. Ah mais ils y vont pas longtemps hein. Ils y vont vraiment pas longtemps. Ok. Ah, je crois que je réussis. Je crois que je réussis. Oh mon dieu! Je vais crever! Je peux même pas écouter ce qu'il me dit! Ah! Encore, 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 encore! Ah, c'est dommage, j'ai pas pu écouter! Oh, je suis mort! Je suis mort! Je suis mort, j'active un truc, je suis mort! Je ferai un petit montage, je vous laisserai le texte. Parce que même moi, j'ai pas pu lire. Ça arrive ou pas? Ok, me lâche. Bon, du coup, je crois que c'est bon, j'ai remis le courant. On va y aller. Non, on peut pas y aller. Comment ça se passe? Normalement, ils sont pas censés me voir. Hein. Est-ce que j'ai pas oublié quelque chose? J'ai remis le courant. Ok, donc celui-là, c'était bon.
les attirer là-bas. Ah ! Ok, c'est mort. Ok, j'ai activé le levier. Aïe ! Aïe ! C'est mort. Oh bah du coup, je crois que j'ai activé les deux leviers. Et on va pouvoir y aller, même si c'est pas de la meilleure des façons. Je crois que ça a été pris en compte. Hein. Yes, c'est bon. Donc du coup, là, on a remis le courant. Le numéro 2. Allez, go. J'ai allumé quelque chose. J'ai allumé quoi? Le 2, c'est lequel? Est-ce que j'ai ouvert ici? Non. Ici, peut-être. Je peux aller voir. Ok. Attraction, stockage. Yes, c'est là. D'accord. Ça me fait penser un peu à des animatronics, ceux qui sont sur le sol. Il y a des canards. The biggest park ever built. A centerfold of attractions. Each one more grand than the one before it. It makes my eyes come to tears at the thought. Donc lui faisait les attractions, il faisait tout ce qui est construction. Mr. Drew, for all your talk of dreams, you are the true architect behind so many nightmares. I built this park. It was to be a masterpiece. My masterpiece. Oh putain, il y a une petite musique là. And now you think you can just throw me out? Trample me to the dust. Ils en veulent tous à Drew, je sais pas ce qu'il a fait de Joey Drew. Est-ce que c'est juste une attraction ou c'est un Megazord? Ok. What? Qu'est-ce que je dois faire moi? J'y arriverai jamais. Ok, la statue d'humilité. Aïe 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 aïe. Aïe. Ça fait mal. Ça fait très mal. Ok. Pattern pour passer. Ok, j'ai réussi à passer. Est-ce que je vais trouver quelque chose ici? C'est vrai que je sais même pas ce que je fais. Hein. On passe. Je crois que j'ai fait un tour gratuit pour rien. Ah, il y a une hache. Yes. Ok, je peux taper. J'ai compris enfin. Ou non. Pas du tout. Il va falloir le taper lui. What the fuck, faut que ça arrête là. Je vais me rapprocher de lui. C'est bon? Non, non, c'est pas bon, c'est bon. Si, c'était peut-être bon. Ah! Yes! D'accord. Je crois qu'on est bon. Hein. C'est les boulons en fait qu'il faut enlever. De l'autre côté? Non, on peut pas les avoir de l'autre côté. Dommage. Que je fasse ça pour plusieurs. C'est trop stylé en tout cas. J'ai envie de passer pour les deux côtés. Il me bloque à chaque fois. D'accord. On va s'occuper de lui. Yes. On a cassé un déjà. Wow. Ça va de plus en plus vite. Attendez. On a un de moins, mais ça va de plus en plus vite. Sérieux. Ok, on va aller sur lui. Tac, tac. On se casse. C'est trop stylé. Hein. Bon, techniquement, c'est notre premier boss. Ok. Allez, va jeter le canon. Ah mais on pourra pas, faut passer de l'autre côté. Ah si, c'est bon. Aïe, 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 aïe. Oh, c'était chaud. Oh, ça va de plus en plus vite. C'est bon, là je suis du côté où il y aura les boulons que je pourrais casser. Parce que ça me bloquait avec les caisses. Allez, 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 allez.
Est-ce que j'ai cassé de l'autre côté? Non. Alors il faudra ce côté. Yes. Il en restera qu'une. Wow, 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 wow. Il va tourner super vite ça. Ok. Il y a tout qui est propulsé. Ok. Allez, je crois qu'on a cassé l'autre côté déjà. Yes. On a réussi. Ça y est, on l'a vaincu. Oh my god. Il va exploser. Ou pas. Fermez la boutique. Un dernier, c'est bon. Ok, on a géré. Donc nickel. Là, on a mis 3 courants. Il en manquera qu'un. Donc ça va m'ouvrir l'autre porte. Je crois que c'était maintenance qui restait. Celle qui est juste derrière, normalement. Ouais. Normalement, on va ouvrir celle-là. Maintenance, c'est ça. Mine de rien, on avance. Maintenance. Allez, let's go. Chaud, chaud, chaud. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est le train chouchou. Autant pour moi, c'est en anglais. Ok, il y a un délire de train, là. Boris Railway. Les gars, je suis pas devin, mais je pense qu'elle a attaché Boris à des rails. J'espère pas que c'est ça, en tout cas. Oh non. Projectionniste. Le projectionniste. On va faire comment, là? Ça va être chaud. Ah, il m'a traumatisé la dernière fois qu'on l'a rencontré, là. Allez, doucement. Ce qu'on a récupéré ici. Ok, je pense qu'on peut aller tranquillou derrière lui s'il nous voit pas. Ok. Oh là là. Est-ce que je peux écouter ça? Joe Drew. Bon, je vous ferai une capture aussi là. Ok, on a le levier là. Je peux pas me permettre d'écouter. Surtout que lui n'est pas loin. Oh, attendez. Ça va ouvrir quelque chose. Est-ce que ça va pas lever ça là-bas? Il va attendre le dernier moment. Ah, c'est parti. Oh my god, oh my god, oh my god. Allez. Yes. Je crois que c'est bon. Oh, c'est bon. Ah, il va me poursuivre là. Il me poursuit. Oh putain, je peux pas faire la photo. Allez, vite, 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 vite. Je vais me cacher en haut. Plus de courant. J'ai bien fait? Je crois que j'ai pas bien fait. Oh non, j'ai fait une erreur. Fallait pas faire ça. Fallait pas du tout faire ça en fait. Ok. Donc en fait si, je sais pourquoi j'ai éteint le courant. C'est pour pouvoir revenir à la porte d'où je suis arrivé. Il est où lui? J'espère qu'il est pas en face de moi. Hein. Je sais pas du tout où il est. Wow! Vite, 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 vite! Oh mon dieu, oh mon dieu! Vite, on va se cacher là-dedans, j'espère que ça va marcher. Allez! Il m'a vu? Je suis mort. Oh putain, je suis mort. Oh putain, je suis mort. What? What? Ils sont en train de se fight? Oh mon dieu. Ok, bon, c'est vraiment lui le boss. Le projectionniste, c'était rien du tout à côté. Oh my god. Oh my god, ce qu'il vient de lui faire, les mecs. C'est incroyable. Bon, j'ai pas trop envie de sortir, mais... Oh my god. Ok, il a traversé le mur. Bon, je crois que c'est bon, je peux y aller du coup. Oh, comme c'est chaud ce qu'il lui a fait. Il lui a arraché la tête. Bon, là, du coup, on a tous les courants. Je crois qu'on va ouvrir ici.
Bah, je crois, je suis pas sûr. Et là. Sauvez Boris. Sauvez Boris, les gars, c'est le moment. Le moment est venu. Turn back. Tourne-toi. Non. 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 On prend le dernier. On prend le dernier, je veux pas être en premier. Oh là là, le train fantôme. Trop stylé. C'est parti, mec. Ok, en fait, on l'a aidé, elle nous l'a mis à l'envers. Come in and pretend it's all just a bad dream. Rip. J'espère qu'on va pas rip. Wow. Ok. J'avais peur qu'il y ait des vrais monstres qui m'attaquent, parce que là, je suis pas armé. C'est une chose, comment tellement peut tomber si vite. Nous n'avons pas vraiment le contrôle du studio. Soit vous étiez dans quelqu'un's pocket, ou vous mettiez quelqu'un dans votre. Le gars, c'est l'ombre de Boris, ça. C'est un fake, c'est possible. Henry. Why are you here? Oh, je suis ici parce qu'on m'a dit de venir. Do you just enjoy the terror of the drop into hell? Because if that's the case, hang on tight. Oh putain, ça part en montagne russe. Ok. S'il y a un lustre comme ça, elle est ici. Ah non. Oh, c'est épique. Oh, j'aime tellement. Je m'attendais pas du tout à ça dans Benji, les gars. Ok. Pour l'instant, c'est calme. Le jeu est magnifique. Là, on va passer devant la statue qui va me donner bah, le checkpoint. Ça, je vais le récupérer au passage. Thank you. Ouais, ça fait le petit bruit. Je pense que c'est bon. Comme vous avez vu, là, ça nous met dans l'ambiance calme. Petite musique. Mais ça va mal se passer, je pense. Donc, on va enchaîner deux combats, je pense. On s'était battu avec l'attraction. Wow! Boris. Oh non, what has she done to you? What? C'est pas Boris ça? C'est Evil Boris le mec. What the fuck? Non. Qu'est-ce qu'elle lui a fait? Non. Oh putain, il casse tout. Et je vais faire quoi moi? Si, il doit y avoir moyen. Il faut qu'il tape le piano. Fonce dans le piano. Fonce dans le piano. Non. Le lustre. What the fuck, qu'est-ce qu'il fait? Ça, mon manège, il tient, non? S'il vous plaît. Ah, il tient pas. What the fuck. Les gars, je sens qu'il y a un délire de... Vas-y, refonce-moi dedans. Faut qu'il casse, ça, ça va tomber, c'est obligé. Wow, 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 wow. Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'il doit pas taper la porte pour que je me casse? Non, c'est pas ça. Ok, il y a un distributeur là, j'ai même pas regardé. Et oui, les distributeurs, je suis bête. Cadenas. Un engrenage. Une clé à molette. Ah! Faut que je récupère un peu d'encre. Non? Oh putain, non. Oui! Vite, 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 c'est bon, c'était ça. Ok, je peux récupérer mon truc maintenant et on va se battre avec lui. J'ai pas envie de le tuer, le pauvre. Donne-moi la clé, donne-moi la clé. Allez, viens là, toi. On va se battre. Merde. Ok, je lui casse le cou. Ok, c'était ça.
c'était ça, mais... Wow, mec, tu vas te calmer, hein. Est-ce qu'il a drop quelque chose? Ah, il y a une boule, là. Aïe. Aïe. Là, il y avait une boule. Ah. Il y avait une boule. Oh putain, ça fait mal. Oh, mais des sacrés coups. Allez, on régène. Ça fait très mal, ça. On régène. Je vais crever, moi, je crois. Yes. Ah, il va me défoncer, hein, je suis à côté. Tiens, tu vas prendre des coups. Enfoiré. Wow, 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 je vais mourir là. Ok, il y a le manège, il passe. Il va se le prendre. Oh non, oh putain, non, c'est pas du tout ça. Je suis mort. Ah, je suis mort, hein. Vite, 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 ça récupère ça. Je vais mettre un dernier coup. Allez, 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 allez. Oh putain, il va me jeter ça dans la gueule. Ah. Ok. Il est énervé, Boris. À la base, je dois le sauver, je dois pas le frapper. Ok, elle est où la boule? Elle est où ta boule de gras, mec? Mec, il me faut une boule de gras. Oh putain. Il faut ta boule de gras. Il me donne sa boule de gras, moi. Ah, mais y avait déjà! Ok. Elle est où? Putain, je peux pas récupérer. Disparaît! Ok, yes, je peux maintenant. Ok, je vais le frapper. Yes! J'espère qu'il est pas mort, Boris. Hein. Là-bas, je dois le sauver. Pourquoi t'arrives pas à me tuer? Parce que je suis trop fort. Parce que t'as laissé un distributeur aussi avec de quoi te tuer. Non, il est mort? Non. Non, les gars, je devais sauver Boris à la base. What? Il y a un samouraï dans le jeu? What the fuck? Yes! Célébré! Incroyable! Chapitre 5, la dernière bobine. Wow! Qu'est-ce que c'est que ça? I know that song. Ok, donc c'est ceux qui sont arrivés pour m'aider. Tout le monde connaît cette chanson. Who are you? Why are you here? I was invited by an old friend, and now I can't leave. Donc c'est Joe et Toru qui nous a invités. One minute we don't even exist, just thoughts, and the next minute, this place. Are you gonna let me out of here? Down here, strangers aren't good things. How can we trust you? We don't even know what you are. My name is Henry. I used to work here. I honestly don't know my name. Elle connaît même pas son nom. So, they call me Alice. Elle l'appelle Alice. But I'm no angel. You go back and rest. We'll talk again later. D'accord. Donc, on a buté la Alice maléfique et on va dire elle c'est la Genshi. It's only for a few hours. No need to worry. I won't go far. Donc là, il parle à Boris. Only up to level 6. Just stay here. Keep an eye on Henry, okay? Qu'est-ce qu'elle va faire? I'll be back as soon as I can. I promise. Qu'est-ce qu'elle va faire? Wow. Rends-moi cette hache, mec. Rends-moi cette hache.
Qu'est-ce qu'il fait? Il est pas censé être méchant, Boris, non? Henry, here, you must be hungry. C'est cool, il nous amène à manger. Sorry, it's all we have. C'est quoi, c'est de l'encre? What? Un enfoiré? Je crois qu'il était gentil, moi. J'aurais même pas dû t'aider. Enfin, je t'ai même pas aidé, techniquement, il est mort. Ok. Je comprends pas trop là. I know you're watching me. It's just a little creepy. You're the one that writes on the walls. We all do. For some poor souls down here, it's the only way they can be heard. But you don't want to touch the ink for too long. It can claim you, pull you back. That's how I met Tom. I was messing with things I shouldn't have been, and he was there. Why do you call him Tom? He just seems to respond to it. Well, I don't think he's very fond of me. Let me show you something. A while back, I was mapping out one of the upper levels when I noticed something reflecting off a piece of glass. I held up the glass, looked through, and on the wall behind me was a hidden message. Right there, in plain sight. So I kept looking. And found more and more messages everywhere in the studio. But you can't see them with your eyes. D'accord, donc elle utilise cet appareil pour voir des messages secrets? Take a look. Il y a des messages cachés. I don't know who's leaving them, but I think they know how to get out of here. Where does it all lead to? Nowhere. Regardez, il y a un message qui s'allume au fond là-bas. I followed them for a long time. Just leads me in circles. I don't think I meant to leave this place, Henry. Celui de droite, on le voit pas, à l'œil nu. But maybe you are. Alice, please let me out of here. Tom thinks you're dangerous. And what do you think? I think you're the hope I've been waiting for. Go to sleep. On est l'élu. Maybe tomorrow will be better. J'espère. Donc j'espère qu'on va avoir... je pense qu'on va l'avoir l'objet pour voir les messages cachés. C'est peut-être un moyen de s'en sortir. C'est vraiment stupide, Tom. Tu ne devrais pas être allé là. Maintenant qu'il t'a vu, c'est seulement une question de temps avant qu'il nous trouve ici. Donc il appelle Tom. Elle m'a fait coucou en cachette. Et même pas trop, lui. J'ai rien fait, moi. Leave him. Not with the ink demon right outside the door. What's going on? He's coming. We have to move on. Wow. Ah, vous allez me sortir d'ici, les gars. Faut pas me laisser en galère. We have to let him out. Allez, lâche. Lâche. Non. Ok, non. Sorry. Ah, je le laisse crever. Je pensais qu'il était gentil. What the fuck? Il me laisse en galère comme ça? Et... C'est chapitre d'autre présent. Elle te laissera pour mort. On a un message. C'est à l'intérieur de l'abri. Laisse-moi sortir d'ici. Tellement de questions. Échappe. Ne va pas à travers la porte. Quelle porte? Suis-moi. Je connais le chemin. Spoon, cuillère. Prends la cuillère. Prends la cuillère. There. Il y a toujours de l'espoir. Qu'est-ce qu'il y a marqué au sol? You draw beautiful. Tu dessines tellement bien. Les gars, il m'a dit prends la cuillère. Wow! Wow! Ah ouais! Passage secret! Wow! D'accord. Je pense qu'on va pouvoir casser les planches maintenant. Yes! Eh, quand même, ils m'ont laissé pour mort, hein. Quels enfoirés. Eh, c'est un aquarium, ça. On peut le casser? Non, on peut pas le casser. Ok. Donc, pour ceux qui se demandent, apparemment, il y en a un dans le commentaire qui m'a dit que ça servait à rien à part débloquer un succès. Donc, au pire, moi, je m'en fiche. Ok, bon, on va avancer. Wow! Ça m'a fait peur, j'étais pas prêt. Ok, on continue. Ah oui, la statue, du coup je respawn ici. Allez, venez.
Voilà. On a des planches. Attendez. C'est pas si on peut marcher sur l'encre, je prends pas le risque. S'il y a des planches, on va sur les planches. Hop là, hop là. What? Ils sont en train de s'échapper. Alors attendez. On touche ça. Yes. Yes, yes, yes. Course poursuite. Course poursuite, il y a marqué quoi là? Keep out. Alors comment ça se passe? Non. Il va y avoir quelque chose d'autre. Ok. Je crois que là c'est bon. Allez, on monte. Hop là. Comment ça marche? Suivez l'ancre. Appuyez maintenant l'accélérateur. Ok. C'est moi qui guide? Je suis pas sûr. Hein. Ok, on va les poursuivre. Franchement, c'est pas cool. Ils m'ont laissé comme ça. Ils auraient pu me sauver. Je sais pas ce qu'il a, Boris, s'il voulait pas me sauver. Ah, elle est là, leur barge. Sounds like something's stuck in the paddle wheel. What? What the fuck? Vite, y'a un truc bloqué là. Enlève-toi. 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 Mec. Comment on fait? Comment on fait? Ah d'accord. Je comprends mieux. Je comprends mieux, je comprends mieux. Oh my god. C'était les petits trucs d'encre en fait, fallait enlever. What the fuck. On poursuit? On se retourne plus, on se retourne plus. On trace, on trace. Allez, 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 allez. Je me sens pas me faire. What? What? Ok, vite. Vite. Allez, on accélère. Ok, c'est les petites boules d'encre en fait qui m'empêchent d'avancer. Ça se met dans le genre d'hélice. Ok, juste derrière moi, je crois. On trace, on trace. Allez, on trace. Prendre ça va pas très vite. Hein. Alors, on avance. Oh fuck, ça bloque encore. Allez, on avance. Vite, 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 vite. Non, je l'entends, il est derrière moi. Je le vois pas, mais je l'entends, la grosse main là. Allez, je pense qu'on y arrive bientôt. Il y a de la lumière. C'est bon signe, je pense. Non, encore. Allez. Allez, on continue. On se dépêche. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh putain, je l'entends derrière moi. Allez, vite, c'est long là. C'est stressant. Dépêche-toi, mec. Je pensais que ça fonctionnait à l'encre. Pourquoi l'encre est bloquée? Ah, c'est toujours sombre. Allez, s'il vous plaît. Faites qu'on est proche. Oh non. Allez. Dégage. Allez, let's go. C'est très très sombre là. Ok, je crois on est arrivé. Wow. On arrive à bon port là. Ah. Il y a quelqu'un qui pêche. On peut pas, faut avancer vraiment au maximum. Hein. Ok. Donc là il va sortir tout seul comme un grand. Voilà. D'accord, on est où là en fait? Fuck, ça a cassé. Ok, plus de retour en arrière. Par contre là ça ressemble à un endroit où on se fight. Pas de monstre. Qu'est-ce qu'on a? Je pense pas qu'on puisse entrer hein. Non, non. Je pense que j'ai pas le choix, on va devoir casser. Et je pense qu'on va retrouver tous ceux en encre. Hein. What? Traite, vous me laissez tomber? Ah! Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Il était pas mort? What the fuck? Je dois faire quoi? Oh putain. Ah! Crève. Aïe, 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 aïe. Aïe, meurs. Ah. On peut se casser ou pas? On peut se casser ou pas? Ah! Ah, c'est pas là! Je peux pas. Ok. Bon, je vais attendre régène, après je mets des coups. Oh my god, il a une hache. Aïe. Y'a
pas de soupe ici. Meurs. C'est moi qui vais mourir. Alors attendez, je vais courir un peu le temps de régène. Allez, on court un peu. Elle est juste derrière moi. Yes. Ne me regarde pas, reste loin. Il a plus de visage. Aïe. Meurs. Ton visage. C'est Slender, les mecs. Oh, me tue pas, s'il te plaît. Les gars, derrière. Y'a Boris. Allez, Boris, sauve-moi, je t'en supplie. Oh. Headshot. Il a tué Slender. Bon, finalement, c'est pas tellement un enfoiré, il m'a sauvé, je crois. Yes. On lui pardonne tout ? On lui pardonne tout. Merci, mec. Ah, t'as de la chance, vous m'avez laissé un peu en galère derrière. Oh. What the... Was that him? Et qui, lui ? I don't think so. The searchers and the lost ones built this place. Sammy must have been keeping them at bay. Now that he's gone. Looks like we're in for a fight. Get ready. Oh putain, y'en a plein qui vont arriver, je sens. Here they come. Ok. Allez. Incroyable. Épique de ouf là. Allez, go les aider. Allez, je vais t'aider comme tu m'as aidé, mec. Je vais crever surtout. Faire gaffe. J'en ai jamais vu autant, elle a dit. C'est abusé tout ce qu'il y a. Ouais, y'a Slender. Mais dégage. Y'a des rôdeurs, les mecs. Walking Dead. Mais dégage. Oh putain. Il faut flipper. On va les aider, on va les aider. Aïe. Faut faire attention de pas crever. Hein. Oh, c'est chaud pour moi là. Ils ont des armes maintenant. Ils ont des planches. Ok. C'est bon. What? C'est des travailleurs ça. Combien de coups? Trop de coups. Ok. On va faire attendre. Je vais rester près d'eux. On va attendre de régénérer un peu. Allez, allez, bouclier humain. Aïe. Allez. Oh, c'est chaud pour moi là. Je vais crever. Encore. Le temps de régène. Allez. Yes, on a un peu régène, c'est bon. C'est incroyable tout ce qu'il y a. Par contre la hache, je comprends pas la portée. Des fois ça touche, des fois ça touche pas. On va les aider. Trop de rôdeurs là. Meurs le rôdeur. Ils vont flipper. C'est bon là? Ça va se calmer un peu? Ça s'arrête jamais? Ok, on court. Allez. Lui, il est vraiment costaud, lui. Non, c'est bon. Non, c'est pas bon. Allez, ensemble. Yes. L'union fait la force. Je vais crever. Allez-y les mecs, je vous regarde. Oh, c'est incroyable tout ce qu'il y a, ça s'arrête jamais. Oh my god. Les gars, ça s'arrête jamais. Oh my god, est-ce que je dois me casser? Peut-être qu'on doit partir hein. Ah les gars, je crois qu'il faut fuir en fait hein. Là ça fait 8 heures on sort. Il est marqué trouver une nouvelle sortie. Elle est où la sortie? Aïe. C'est bon?
Est-ce que c'est le hasard? Ok, non, mais c'est ça en fait. Merci les mecs. Hein. Ouais, on va rester ensemble, c'est la meilleure des choses. Peut-être avec ça. Ah, mais elle est là la sortie, c'est en sérieux, ils viennent de l'ouvrir, j'avais pas vu. Ok. Ok, il est un peu bugué l'autre, regardez-le. Allez, viens là. Intelligence artificielle, c'est plus ce que c'était, les mecs. Allez, venez. Yes, j'espère qu'ils vont pas tomber. J'espère que je ne vais pas tomber. Non, mais sérieux! Sérieux, les mecs! Et j'ai tout perdu! Oh, administration. Oh, les enfoirés, ce qu'ils m'ont fait. Oui, la petite musique cool. Film Volt. Ah là là, on a vraiment pas de chance. J'ai pas d'encre, ça sert à rien. C'est verrouillé. Là on peut se cacher, c'est pas bon signe quand on peut se cacher. Film Volt, on va toucher ça. Ça devient plus intéressant, non? Ah! Ok. La pièce manquante. Alors, Thomas Connor. Ah, ça parle de magie, très important là. Donc la première image de la première tentative de conversion, on va dire, avec la machine à encre de Benji, ça a été un échec. Il ressemblait pas du tout à Benji. Et depuis, plus aucune image est apparue. Mm-hmm. Très très étrange. Ok, cette fois c'est ouvert, vous avez vu? Another day, another dollar. Another day, another dollar. Qu'est-ce qui va se passer quand je vais activer ça, les mecs? Tourne la tête trop vite. Je sais pas ce que j'ai fait. Ah, c'est bon. C'est bon ça. Pas bon. C'est pas bon. J'ai pas d'arme. Comment je fais si j'ai pas d'arme? Ah, ça va être chaud là. Not these guys again. I better stay out of sight. Ok, on va écouter Joe et Drew. Il faut les pièces. Qu'est-ce qu'on a ici? Est-ce qu'on aurait pas une pièce déjà? Non. Holy Franks. Ça parle de gâteau. Ok, j'espère. On va croiser ces petites créatures là. Il y a beaucoup de choses à visiter là. Ok, le monstre qu'on a vu, le tout premier monstre en fait, c'est une image ratée de Benji. J'espère qu'il rentre pas là. Ok, donc le monstre en fait c'est une image ratée de Benji. C'est Benji maléfique, je m'étais pas trompé.
trouve des pièces là. On a rien trouvé encore. Qui fait un demi-tour. On va aller là-bas au fond. Ça c'est le gang des bouchers. Je peux entrer dans la porte sans qu'il me voit. Ok, ça relie les deux en fait. Je vais essayer d'ouvrir celle-là. Ok. Il m'a vu. Ah! Mais je suis vraiment. C'est mort. Ah! Je suis mort. Ok. Je vais juste tenter un truc. J'ai pas l'impression que ça puisse marcher, mais. On sait jamais. Est-ce que si je me cache devant lui, genre il me voit? Ah ouais, d'accord, c'est à ce point. Ok, donc il y en a un qui est parti à droite, je l'ai vu. Les deux sont partis à droite? Mais je suis lucky de ouf. C'est grand quand même, je trouve, hein. Il y a trop de choses. C'est sûrement ici. Ok, y a rien ici, c'était même pas ici en fait. Ah! Je suis mort? Oh, ils sont partis. Oh, oh la luck. Ils sont les deux ensemble, j'ai vraiment de la chance. Hein. Ok, on va en profiter, on va aller là-bas. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a tellement de choses à visiter. Verrouillé. Ok, Joe et Drew. Ok, j'ai de l'encre. Donc, je pense qu'il faudra revenir au distributeur au début. Joe et Drew. Alors là, il dit que ces personnages sont plus que des simples dessins. Ils sont vivants, ils font partie de nous. J'espère qu'il ne me voit pas là. Petit projet, une petite cérémonie. Ouais, en fait, il veut vraiment donner vie au dessin. Ok. Donc, il faudrait que je revienne ici à chaque fois. On se barre. On se taille. Donc là, c'est pas grave si j'en croise, il faut vraiment que je revienne au début. On va utiliser la machine. Donc c'est un peu le moment relou, je vais faire des petites ellipses, au moins les épisodes sont pas trop longs. Mais je vous laisse l'essentiel pour que vous compreniez. Ok. Donc on avait le distributeur. Ah! Attendez. Je me cache. Ok, donc lui se barre. Nous, on va utiliser... Donc le distributeur. Qui est là. Voilà. On met. On sort. Yes. Yes, est-ce qu'on peut le ramasser? What? Merde! Oh putain! Oh putain! Il est où? Oh, il est là! Je peux même pas me cacher! Merde, il approche. Ok, c'est bon, il est parti. Oh my god. Pire moment. Attendez, fait peut-être que... Ah, j'ai pas choisi le bon. Ok, donc il me faut une pièce droite, une pièce en forme de T, une pièce arrondie comme ça. Ok, donc première pièce. Voilà. Et ensuite, je ramènerai les deux autres. Ok, deuxième pièce. Allez. Voilà. Notre deuxième pièce. Et il manquera la droite.
Et la dernière partie. Et important, je voulais dire, il y a un abonné qui m'a dit que c'était Boris le loup. Et il avait raison. Je pensais que c'était un chien, moi, Boris. C'est bien Boris the Wolf. Donc, GG à toi, mec. Tu te reconnaîtras. Donc, dernière partie. Ok, là, on a vidé. Ok, on va pouvoir passer. Je vérifie. Chercher le coffre-fort. Ok. Chercher le coffre-fort. Le coffre-fort, les mecs. Qu'est-ce qu'il est censé avoir dans le coffre-fort? Ah! Looks like whatever was here was taken long ago. How did you get down here? It pays to carry a rope. Ils sont venus. You should try it. Look, I know where we have to go, but it's not going to be pleasant. The Ink Demon has something that we need. I'm going after him. On va aller voir le démon d'encre, sérieux? Are you crazy? Ouais, vraiment, il est fou là. That's where the trail seems to lead. Well, it's probably close by. Probably through that door. But it won't be easy to open. I'll need three gears, a crowbar. Pied de biche. Some kind of counterbalance. Contre quoi? Wow! Huh. Ah, ça c'est cool, mec. Merci beaucoup. Ah, ça fait plaisir. Yes. Ah, c'est cool d'avoir un bras mécanique. Ouais, mais du coup, bah, il manque la dernière bobine. C'est le nom du chapitre. Ah, là, il assure Boris. Hein. Je me sentais pas d'aller chercher un pied de biche externe. Ok. J'ai l'impression qu'on est dans les locaux du début. Hein. Là c'est verrouillé. Pardon Boris, je t'ai fait bugger. Hey, here's my old desk. I wasted so much time in this chair. D'accord. Bon, là on va rencontrer démon Benji. Don't make any noise. Ok, pas de bruit. Le mec, il va nous voir. Oh, incroyable. Incroyable. Donc ça c'est la première tentative qu'ils ont fait de Benji, elle était ratée. C'est carrément un démon. Démon Benji. Vous avez pas peur? Ouais un petit peu. Donc là on fait pas de bruit, on attend qu'il parte et au moins c'est tranquille. Il va traverser le mur. Yes. Ok, donc je pense qu'on peut y aller là les gars. C'est parti. Attention, il y a marqué lift, donc il y aura un ascenseur. La mort? Oh, il fait tout noir là. What? Qu'est-ce que c'est que ça? Wow, I've never seen this before. I don't see any way around. Nothing to build a raft with. We'll have to wade across. We can't. We're not like you, Henry. If we go in there, well, a drop of water in the ocean is rarely seen again. And I guess it's all up to me. C'est beau ce qu'elle a dit. And I don't even know what I'm doing here. I don't even know why this is all happening to me. You're here for a reason, Henry. There's always a reason. Je l'ai lu. Even when you can't understand it. It's time. Set us free. Ok, comment je vous libère? Entrer dans la machine. On va nager? Je vais nager. Alors moi, je vais prendre des risques pour vous. C'est parti. Pas cool les gars. Gent. Pour gentleman. Ok, là je... Ça va sentir le boss les mecs. Je le tiens chaque fois mais bon. Vous êtes préparés. On approche de la fin. Wow. J'avais pas vu ça. Ok. Quelqu'un qui a un trône au milieu c'est un boss forcément. Oh, c'est trop stylé, on a les cartoons. Il y a Alice, il y a le gang des bouchers, il y a Benji et Boris. Ok,
Qu'est-ce qui va se passer ici, les mecs? On va écouter. Je pense que c'est Joe et Drew qui parle. Comment je vais les sauver? What? Oh my god. C'est foutu là. Oh my god. Oh my... On est foutu. What the fuck? Non, il a muté. Oh là 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 là. C'est pas bon ça. Oh. Incroyable. Oh my god. Oh là, ça va être chaud là. Je fais quoi? Je dois faire quoi? Oh mon dieu. On va toucher la grosse statue déjà parce qu'on va crever. Il y a un levier là. À quoi ça sert? Oh putain. Un levier. Oh, sûrement un autre levier. Là. Qu'est-ce que j'active? Ouais, ok, faut pas rester au centre en fait, c'est tout. Ah! Oh my god! Faut pas rester au centre, j'étais sur le côté, il m'a défoncé. Ok, pour l'instant j'ai pas trop compris. Les leviers qu'on a mis sont restés. En fait, ils spawnent des murs. J'ai peur. Oh mon dieu. Il est horrible. Ok. Lui on l'a baissé. Ouah, il traverse tout. Oh my god. On a sûrement des leviers par là. J'ai peur. Je pense qu'il faut activer tous les leviers. Ou peut-être c'était les leviers qu'il fallait activer à un moment précis. Ok, là je suis dans la zone safe. Qui viennent ici. Non, c'est pas ça les mecs. Aidez-moi, donnez-moi des edges. Ok. Il est où? Oh my god. Il fait flipper. Ah oh. Traverse. Oh mon dieu. Creepy ce jeu. Là. Yes. Ah, je bouge pas, j'ai peur. J'ai peut-être activé quelque chose. Wow. Ouh, c'était chaud là. D'accord. Il est où là? J'ai peur les mecs. Il est en face. Qu'est-ce que je dois faire? Il est où? Il est où? Ah! J'ai flippé ce jeu. Ok, j'ai ouvert le truc. Ah! Oh my god! Oh mais il est flippant! Oh mais il fait flipper, c'est abusé! Regardez avant de traverser le mec. 1, 2, 3. Yes. Donc là c'est ouvert, je peux y aller. Oh là là, ce jeu. Allez.
verrouiller. J'ai peur. Yes. Qui rigole maintenant? Non. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer ici? On va se fight contre lui? J'ai peur les gars. Oh. 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 Oh my god. Faut qu'il casse ça. Qu'il casse ça. Yes. Aïe. Aïe aïe. Aïe. Ok, il a cassé. Il casse tout le truc d'encre. Vas-y mec. Ah! Yes, il a pété. Ça fait peur, ça fait peur, ça fait peur. Ah, il va me tuer. Il va me tuer. Ah! What? Ok, il y a de la lumière là, je vais vers la lumière, je cherche même pas à comprendre. Je me casse. C'est ça? Ouais, c'est ça. J'ai cru qu'il m'avait tué. Ok. Qu'est-ce que je fais maintenant? La bobine. Yes. Eh ouais, c'est comme un enfant. Il est captivé par le film. C'est la fin pour lui. Wow. Incroyable. Je crois qu'on l'a tué, c'est bon. Donc le fait qu'on lui fasse voir la fin, il a disparu. Ben, je l'espère. Wow. C'est en couleur normale? Plus de jaune dégueulasse partout? Chez moi. Ça sifflote. Attendez, je vais voir dans ma chambre. Pas y aller. Là non plus. Et c'est grave stylé. J'aimerais bien avoir une petite peluche comme ça chez moi. Henry. Wow. So soon. C'est joué? I didn't expect you for another hour yet. Now you're just trying to impress me. But I know, you have questions. You always do. On est le 4 août, les mecs. The only important question is this. Who are we, Henry? Comment ça qui sommes nous? I thought I knew who I was. But the success starved me. Nothing left but lines on a page. In the end, we followed two different roads of our own making. You, a lovely family. Me, a crooked empire. And my road burned. I let our creations become my life. The truth is, you were always so good at pushing, old friend. Pushing me to do the right thing. You should have pushed a little harder. Comment ça un peu plus? Henry, come visit the old workshop. There's something I need to show you. Ah, c'est ce qu'il m'a dit dès le début. Ça, c'est le début, il nous avait invités à... What? All right, Joey. I'm here. C'est le début? Let's see if we can find what you wanted me to see. What the fuck? Donc voilà, c'était Benji in the Ink Machine. Franchement, le jeu était incroyable. Je m'attendais pas à ce qu'il soit autant bien, vraiment. Donc je vous remercie d'avoir regardé le let's play jusqu'au bout, ça fait grave plaisir. Je compte sur vous pour apporter votre soutien, que ce soit avec les likes, les commentaires, c'est gratuit et ça m'apporte énormément de soutien. Vous vous rendez pas compte, les gars. Je vous remercie beaucoup pour ce que vous faites. Tous vos petits messages qui m'encouragent, etc., ça fait énormément plaisir. Et vraiment, je vous en suis très reconnaissant. Si vous voulez soutenir un peu plus, vous pouvez le faire en prenant un abonnement payant pour la chaîne. Vous aurez des emojis. Vous pouvez aussi acheter des vêtements sur la boutique. Donc tout est dans la description. Et là, vu qu'on a terminé Benji, je ferai
des t-shirts en mode Benji. Voilà. Donc merci à tous ceux qui m'ont proposé le let's play. C'est grâce à vous que je fais des jeux sur la chaîne. Je fais pas mal de jeux que je vous présente que vous ne connaissez pas. Mais vous me proposez aussi pas mal de jeux que je ne connais pas. Et vous me faites découvrir des belles pépites. Donc je remercie énormément. Ce jeu, toute ma vie, j'en ai entendu parler et je n'ai jamais osé me lancer. Et je vois qu'en fait, ben, j'aurais dû le faire dès le début. Voilà. Donc c'est déjà la fin de cette vidéo. Je vous dis rendez-vous pour les prochaines vidéos et pour plein d'autres let's play tous ensemble. J'espère que tous ensemble, on atteindra les 50 000 abonnés. C'est le prochain objectif. Donc d'ici là, prenez soin de vous. Et à la prochaine. C'est pas fini? Il y avait la machine à encre sur la gauche, vous avez vu? Félicitations pour ton succès. Your best pal, ton meilleur ami, Henry Stein. Tell me another one, Uncle Joey. Donc on a terminé le jeu, on a débloqué donc les archives. Et donc vous voyez dans les archives on a un peu tout ce qu'on a croisé dans le jeu, c'est juste incroyable. Par où on va commencer? Par la machine à encre. Alors avant une mise à niveau visuel majeur, cette version de machine d'encre était celle utilisée dans le jeu. Une grande partie de la conception iconique, fan love designée, a été traduite dans la version finale. Donc on a la fameuse machine à encre, en concept Benji. C'est la première version de Benji jamais modélisée dans les premiers concepts. Benji était beaucoup plus petit et plus mignon. Mignon et on dirait parasite comme il s'ouvre. Pour ceux qui connaissent l'animé, avec un visage qui s'ouvrait pour révéler une bouche terrifiante. Franchement, cette idée, elle était vraiment pas mal. Moi, j'aime beaucoup, ça fait penser à Parasite. Alpha Benji, c'est la conception originale de l'encre Benji utilisée par le jeu depuis la première version du chapitre 1. Il est plaisamment appelé Oiseau Crotte, avec un sourire parmi l'équipe de développement. Ouais, Oiseau Crotte, parce que j'arrive à chier dessus et ça fait ça. En tout cas, les illustrations sont magnifiques. Beta Benji, c'était la forme de l'encre de Benji jusqu'à la sortie du chapitre 4. À ce moment-là, le jeu a reçu une mise à niveau visuel majeure et le personnage obtint également un nouveau modèle. Encre Benji comme nous le connaissons aujourd'hui, bien que similaire à Beta Benji, cette version améliorée a été remodelée, améliorée avec un nombre de polygones plus élevé et de nouveaux effets d'encre. Donc comme vous le voyez, c'est vrai que là on a l'animation de l'encre et tout, c'est grâce à lui. Monstre Benji. L'horrible forme finale de l'encre Benji dans le chapitre 5 a éloigné la façade de la bande dessinée et a révélé le démon à l'intérieur. Donc là c'est vraiment celui qu'on a affronté à la fin, il m'a fait flipper. Hein. Bêta chercheur. Au début du développement, avec seulement quelques semaines pour créer le chapitre 2, les bêta chercheurs ont été conçus en un temps record avant d'être complètement réorganisés plus tard. Ils ont été les premiers ennemis à tuer rencontrés dans le jeu. Donc ouais, c'était eux, ceux qu'on a croisés qui étaient chiants. Chercheur final. Plus robuste en apparence, ils étaient plus avec meilleurs effets d'encre et une apparence plus humaine. Ok, il est juste un peu plus grand pour moi. Beta Sammy, avec sa première apparition au chapitre 2, le favori des fans Sammy Lawrence est devenu un personnage terrifiant. Quand sa construction mince a été jugée pas assez menaçante, il a été redessiné et offert une meilleure plateforme squelettique pour l'animation plus avancée. J'avoue, regardez. Là, il fait tout maigrichant. Et là, vous voyez, il est grave musclé, hein. Y a rien à voir. Hein. Là, c'est un BG. Final Sammy, la forme finale de Sammy Lawrence est venue avec une stature gonflée et des membres plus puissants. L'auteur-compositeur peut enfin se faire remarquer, au moins par les fans. Donc Sammy Lawrence, c'est celui qui composait les musiques dans le jeu. Donc là, on a les créatures d'encre. Pour moi, c'était les employés, hein. Vous en pensez quoi? Qu'est-ce que c'était pour vous? Alice Angel. On n'a pas des écriteaux pour Alice Angel? Ah, le gang bouché, j'avais pas vu derrière. Le flûtiste, le percuteur et le pêcheur. Le pêcheur, c'est le plus drôle, je trouve. Hein. Compose de redoutables gangs de bouchers. Il est intéressant de noter que les versions de l'encre corrompue des personnages ont été conçues en premier, puis ont été réintégrées dans leur forme de dessin animé favorable à la famille. J'avais pas vu, il y en a plusieurs. Ça, c'était Bertram, l'attraction, le manège qu'on avait affronté. Je sais plus si c'est chapitre 4. Ils sont horribles. Lui, c'était le plus drôle, vraiment. Je pense que c'est lui le pêcheur. Hein. Ouais, qu'est-ce qu'on a encore? On a le fameux Boris. Beta Boris. What? Papa était le nom original du personnage qui devint Boris le loup. Cette première version a été publiée avec le premier chapitre. Il a été rapidement ajusté dans le Boris que nous connaissons aujourd'hui avec la sortie du chapitre 2. Papa Boris. Ouais. Boris le loup, Boris le loup. Voilà, donc c'est bien Boris le loup. Moi je pensais que c'était un chien à la base. Boris le loup, un ami à la fin, a été conçu en utilisant diverses références des dessins animés des années 1920. Donc je pense que l'inspiration c'était plutôt. Ou Dingo plutôt. Ouais. Dingo plutôt lol. Mélange de style d'animation, de la côte ouest à la côte est. Ce loup silencieux est généreux et séduit bien des gens. Même s'il a parfois été un casse-tête pour l'équipe de développement à raison de son intelligence artificielle. Ouais ben ça on l'a vu dans le jeu les gars quand il se bloquait contre les murs. Et apparemment lui c'est un de vos personnages préférés. Hein. Brut Boris, ouais, lui on l'avait affronté je me rappelle.
Il était grave stylé. La monstruosité d'Alice Angel, Brut Boris, a été l'une des plus grandes surprises du chapitre 4. Sa conception était grossièrement basée sur le monstre de Frankenstein. Ouais, parce que si vous tapez Boris sur Google Images, vous allez tomber sur les images de Frankenstein. Mais avec une apparence plus inachevée, Alice prit des parties de lui et substitua des choses que son corps rejetait rapidement. Donc voilà, donc on a fait le tour, c'était la galerie. J'espère que vous avez kiffé, c'était un petit bonus. En tout cas, l'univers de Benji est incroyable. J'essaierai de faire le jeu sur Boris. Et on m'a dit qu'il y a un nouveau Benji qui sortira, donc je pense que je suis dans les temps. J'espère qu'il sortira cette année. Au moins, ce sera l'occasion de le découvrir ensemble. Donc voilà, je vous remercie encore pour le soutien que vous m'apportez, pour votre fidélité sur la chaîne, vos likes, vos commentaires, tout ça. Merci beaucoup. J'espère que notre communauté va grandir de plus en plus et qu'on va aller loin tous ensemble. Donc c'est déjà la fin de cette vidéo. Pour ma part, je vous dis prenez soin de vous. Et à la prochaine.